Soundless dome, ticking clock I walk away from the soundless room Wainless night, moonlight melts My ghostly shadow to the lukewarm gloom Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 26e podcast de Mero Gezou. Alors je tiens à dire que je suis particulièrement content de, de faire ce podcast avec, euh, avec euh, mes chers amis euh, Théo Lefou et, euh, et Guillaume. Guillaume, il n'y a pas de... Tu vas, t'es comme moi, t'as pas de pseudonyme. Il n'y a que Théo qui a un pseudonyme. Euh, parce que, parce que, parce que, bah, mine de rien, enfin on le répète à chaque fois, mais euh, on s... On, 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 ne, on ne communique pas de façon audio euh, et avec de la vidéo en dehors des podcasts parce qu'on est des gens très occupés. Donc du coup, le podcast c'est aussi une façon pour nous de nous réunir. Et je suis très content ce soir de, de, de podcaster avec vous les amis parce que ça fait un moment qu'on l'avait pas fait. Et, euh, et ben, du coup, voilà. Ben, donc on va faire un petit tour de table hein, cette rigueur. Donc d'un côté, j'ai ce cher Guillaume. Guillaume, comment vas-tu ben, Ça va, c'est l'hiver. C'est l'hiver. <laughs> c'est l'hiver. Théophile est dépressif. J'ai mis ton col roulé. J'ai mis mon col roulé. Donc c'est l'hiver. Toutes les conditions sont réunies. Ouais. Et on voit aussi, donc pour ceux qui nous regardent sur la vidéo, que l'hiver s'est installé en Lettonie. Bonsoir. Euh, Théo. Ah oui. Eh oui, c'est bien moi. Je suis présent. Bah, écoutez, c'est plus tellement euh, Théo le fou, mais plutôt Théo le dépressif, comme vous le savez, <laughs> comme à chaque hiver. Mais bien sûr, c'est un prank! Je suis un wife beater! J'ai bien mon Marcel, il est Et ici oui. présent! Alors j'enlève cette veste hivernale! Mais c'est vrai qu'il s'est mis à faire froid en Lettonie. Putain, c'est chiant à enlever! Il s'est mis à faire froid en Lettonie, donc euh, voilà, la dépression arrive à grands pas! Ah, comment allez-vous? Est-ce que vous avez activé les, les chauffages à Toulouse? Non, pas activé le chauffage. Là pour le moment, il fait 13-14 degrés, mais maintenant que je suis un sudiste, pour moi 13-14 degrés, c'est un peu un froid polaire. Donc je me caille ouais. les meules J'ai par exemple mis un, un legging euh, Vous savez le ah les, ouais, les, les nickel pour, pour conserver la ouais, chaleur ouais, ouais. Parce que j'ai froid Alors qu'il fait 12 degrés Je suis vraiment tu devenu un putain de sudiste Ouais, <laughs> ouais bah ça c'est de rigueur hein, les... Moi j'appelle ça les thermotactiles. Non les thermodactiles, C'est les trucs qui te conservent ta chaleur Je sais pas si c'est la même chose que les leggings du coup Mais ah, on met ça possible, en hiver C'est quoi c'est pour les mains non non, c'est pour les jambes, c'est pour le corps, c'est un truc les que tu mets juste quoi de... ouais, d'accord. Ouais, souple mais super chaud quoi. Ouais, bah c'est les... chez bon. Uniqlo, c'est ça, c'est leur technologie euh, thermo, je sais pas quoi. Bonjour la transpiration hein. Thermo truc là. Euh, bref. thermo bref, thermotactile. dactile euh... Oui. <laughs> Théo Théo dactile. Mais tu sais c'est c'est Théo tactile. Théo tactile. <laughs> Théo tactile, ça pourrait être ton nom d'acteur porno. Théo tactile. Pas mal, pas mal. Moi, je constate au retour caméra que j'ai toujours le front aussi grave à faire faire quelque chose pour ça un jour. Je vais t'étalonner, je vais t'étalonner. Merci mon ami. Tu vas matifier ma peau grasse. Bon du coup, bon les amis, ça va Ça va au top. Ouais. Prêt à en découdre. Prêt à en découdre. Bah quoi de beau, notre ami Ken Bruno euh, travaille à présent chez Sœur d'édition, je pense <laughs> qu'il faut quand même le dire. Champagne Oui tout à fait, tout à fait. Ouais, bah, bon, du coup, oui, j'ai rejoint <laughs> l'équipe de, de Sœur d'édition depuis le début du mois d'octobre. Et donc euh, bah, ça se passe très bien, je suis, je suis très content, ça fait déjà 4 semaines que je suis là-bas, ça passe ah ouais. extrêmement vite, les journées filent à vive allure. La semaine, dès que la semaine est finie, je me dis putain c'est... C'est déjà fini, ça me change vraiment vraiment beaucoup de mon autre boulot. Hein. Donc euh, j'ai quitté Micromania <laughs> du coup. Et, euh, et bah voilà, donc du coup je suis super content d'avoir rejoint l'équipe de SIRD. Et, euh, et, euh, et puis voilà. Alors est-ce que tu peux nous donner quelques exclusivités SIRD d'édition <laughs> Non <rire> <rire> <Et voilà. rire> Mais du coup euh, si jamais... Euh... Si jamais il y a des gens qui sont euh, de Toulouse ou pas loin et euh, comme il y a le Toulouse Game Show bientôt, bah du ah coup oui. je serai sur le stand de, de Sœur d'édition si vous passez, ou oh. vous voulez passer euh, faire le coucou ou acheter un bouquin, enfin ce que vous voulez, euh, n'hésitez pas à passer à Paris sur Games le stand. Week euh, non non pas de Paris Games Week pour nous donc euh, cette année si je ne m'abuse enfin sur la saison ça sera euh, tout, Toulouse Game Show d'un côté et euh, Japan Expo euh, pour euh, pour euh, pour l'été. Voilà donc je serai euh, si tout se passe bien. Euh, si je ne me suis pas fait licencier d'ici là, euh, à la Japan Expo aussi, euh, euh, l'année prochaine. Voilà. Tel un geek. T'es le... un geek. Ah, oui. <laughs> ça fait longtemps que je ne suis pas allé à la Japan Expo. Euh, ça doit faire au moins 8-9 ans. Euh, de... Ça va être une expérience. Ça va être complètement dingue. Euh, <laughs> les amis, on est réunis ce soir pour parler jeux vidéo. Hein, C'est ce qu'on fait, ce qu fait de mieux, paraît-il. Euh, il s'est passé pas mal de temps depuis le dernier podcast, même si on dirait pas parce que celui-ci va sortir peu ou prou euh, un mois après le, le, le dernier. Euh, oui. Je sais que vous avez joué à beaucoup de choses, l'un comme l'autre. Euh, je ne sais pas par qui commencer. Qui veut commencer à, à, à nous parler de ce à quoi il a joué euh, ces derniers temps euh, Honneur à Théo. Allez, ah c'est bon parti. Honneur euh, à, ouais, à moi. Tu, Merci, tu as été désigné Théo, Théo, Théo Wife Bitter. Donc tu as mangé <laughs> des cornichons. Et entre eux, tes sessions de cornichons, euh, à quoi as-tu joué, Théo le Fou Alors récemment, j'ai pu jouer à pas mal de jeux, mes amis. Je vous l'avoue. J'ai refait Uncharted 1 parce que c'est un jeu. En fait, non, je l'ai fait pour la première fois. Je l'avais jamais fait. En fait, je pensais l'avoir fait. Ça qui est très bizarre, c'est que j'étais persuadé de l'avoir fait. Et en y jouant, je me rends compte que je l'avais jamais fait. Et euh, purée, euh, ouais, en effet, quoi. C'est vraiment Uncharted 1. C'est vraiment une sorte de prototype. Euh... Assez euh, basique. C'est compliqué, hein Ah ouais, c'est compliqué. C'est Crash Bandicoot avec un skin euh, Uncharted. C'est <laughs> abusé. C'est vraiment compliqué. C'est Crash Bandicoot with gun. <laughs> c'est vrai que tu te dis... Euh, <laughs> cette saga qui, quand même, a pris de l'ampleur avec un numéro 2 qui était vraiment impressionnant pour l'époque avec un numéro 3 que moi, j'avais apprécié mais on se souvient que Pazou n'avait pas apprécié, mais... Et puis un, un épisode 4 qui est quand même assez solide, moi franchement j'ai bien kiffé. Enfin c'est une saga en tout cas qui remplit son contrat. La, la saga des Uncharted, tu vois, tu t'amuses, tu manges ton pop-corn, les personnages sont quand même charismatiques et, euh, et tu, tu et un tout. Crash Bandicoot aussi. Euh, voilà, ouais en plus dans le 4, c'est vrai. Mais là le et puis ah oui et puis bien sûr avec euh, avec notre ami euh, Gigi on avait kiffé euh, le Lost Legacy euh, aussi. Ah bah toi aussi tu l'as kiffé non Ken tu l'as fait non? Non, je l'ai pas. Il est encore blisté derrière moi là. Ah ok. Pas encore... <laughs> et, euh, et quand tu vois l'ampleur qu'a pris la saga, elle s'est vraiment trouvée par la suite. Et là, tu rejoues au 1, c'est vraiment, ça, c'est un prototype. Genre, tu vois, il y a un des trucs. Euh, bon, Guillaume, je pense que on peut revenir sur le sujet du mois dernier. Les buddy, euh, comment tu dis, les buddy games, tu vois. Mais tu sais, les jeux où t'es toujours accompagné par un gars, comme dans Play of Tell, du coup. Là, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans Uncharted 1, en fait, la plupart du temps, ils te disent, euh, les PNJ avec qui tu vas euh, me tailler un bout de chemin, à un moment donné, ils te disent, Ah, oh, je te laisse là, tu vois. Et du coup, euh, ouais. bah, tu te retrouves tout seul, alors que par la suite, ils ont toujours pris un malin plaisir à justement euh, toujours te coller un mec avec toi et certainement pas vous faire vous séparer à un moment donné, tu vois. Et là, euh, c'est bizarre, du coup, tu te retrouves seul dans des donjons un peu sordides par un moment. Euh, il n'y a qu'un seul environnement, enfin il y a plus ou moins qu'un seul environnement, qu'un seul type d'environnement. Ouais, c'est ouais, euh, ça, ça tourne un peu en rond, une ouais. Le dernier boss, je me rappelle, il était chose là. C'est pas genre y a un ah hélicoptère ouais. ou je sais plus quoi. Si, 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 c'est kitsch de ouf. La fin, elle est hyper kitsch. Il n'y a <laughs> aucune ambition narrative. Tout est cliché dans la fin et tout. C'est vraiment, tu dis putain, donc cette grande série... Désolé, c'est quand même une grande saga du jeu vidéo et tout. Oui, euh, oui, oui. c'est pas ça commence comme ça, c'est pas fameux quoi <laughs> honnêtement. Bah, Mais en fait comme euh, l'autre fois ouais du coup euh, quand je préparais le podcast, j'ai regardé la date de sortie de Uncharted 1 ouais. et euh, je me suis rendu compte que le jeu était sorti euh, à quoi 5 jours, je crois, d'intervalle ouais. avec Gears of War. Ouais, ouais. Et euh, je vais encore passer pour le pro Microsoft de service, <laughs> c'est vraiment pas le but. Mais franchement, euh, Gears of War 1, aujourd'hui, tu y joues, il, il a trop de la gueule, tu vois, le jeu, il, il se tient en fait. Et ouais. euh, Uncharted, tu vois qu'il est parti de, euh, de loin. Hein il a rattrapé son retard après par la suite. Mais quand tu prends les deux jeux qui sont sortis à rien du tout d'intervalle. Putain, euh, Uncharted, ouais, il fait vraiment. Euh, il fait pas le figure, quoi, clairement. Mais en plus, euh, moi, je pense qu'ils ont eu la pression pour le sortir. C'était peut-être pas un jeu day one, mais c'était quand même euh, 2007. C'était la première année de la PS3. Je pense qu'ils ont, ils ont eu la pression. Ils ont fait un truc. Euh... D'ailleurs, à l'époque, ça n'avait pas euh, créé d'engouement tellement, Uncharted 1. Moi, je me souviens, j'étais allé chez un pote, je m'étais dit « Putain, le beauf, il joue à Uncharted 1, tu vois ?» Et après, le 2... Est... <laughs> non mais vraiment, je, je m'étais dit ça. Je m'étais dit « C'est un beauf !» Et euh, à deux ans plus tard, t'as Uncharted 2 qui sort, qui là, était quand même un maître étalon d'un de... certain type de jeu vidéo, quoi. Enfin bref. T'as joué à quoi d'autre, Théo Alors, Witcher 1, c'est un jeu que j'avais souvent essayé de de commencer, donc euh, je l'attends avant qu'il sorte, je suis un ancien, ne l'oubliez pas avant oui, qu'il sorte, je l'attendais déjà, c'est euh, vrai Witcher 1 ouais bien sûr, parce que bien tu sûr. avais lu Et... les bouquins comme les bouquins Harry Potter que tu as non. dévoré <laughs> <laughs> c'est vrai que je suis un Potterhead, mais euh, Witcher, <laughs> je suis même pas sûr que les bouquins étaient édités à l'époque, peut-être qu'ils l'étaient en On... On faudra vérifier ça, mais bon, non, mais je, si tu veux, je l'attendais. J'étais intéressé, j'étais intéressé, j'étais intéressé par Gothic euh, 3, j'étais intéressé par Witcher, enfin les jeux de l'époque. Je regardais quoi, et, euh, et bon, oh, c'est oui. vrai que quand il est sorti de fil en aiguille, <laughs> comment <laughs> non c'est que t'avais un peu une voix de... je bon, j'étais un peu... Euh... Un peu ouais, ben, je regardais quoi. Côté 3, j'étais un peu intéressé quoi. Et oui, oui, je me suis jeté un petit euh, derrière le colter. Ouais, quoi, euh, je j'ai euh, mes vais. petits ouais. cornichons, euh, tranquille quoi. Et mon gigi, c'est là elle est pour toi, mon gigi, un petit... Bon, vas <laughs> Dois-je faire mon imitation de Renault Vous la voulez, n'est-ce pas <laughs> N'oubliez pas que le, la vidéo, euh, le jeu fou... De Théo le Fou sur le jeu vidéo Renault est disponible ouais. sur YouTube. Salut à tous, c'est Théo le Fou. Euh, super satisfait par vos retours sur la dernière. Wow! Quand tu te bats, tu peux perdre de l'énergie. Et à ce moment-là, faut aller au bar pour se requinquer. Tu une santé, quoi. Ouais. C'est une vidéo à succès, elle a dépassé les 1000 vues. C'est une vidéo de sortie de nulle part. <laughs> Je sais pas si tu te souviens Ken, ouais. elle était sortie de absolument nulle part. On l'attendait pas, on savait. Alors un jour, Théo se, ba... elle se connecte et dit tiens regardez les gars j'ai fait cette vidéo et on fait putain mais elle est trop bien ta vidéo Théo. Mais, ça va. Il fait, mais vous pensez qu'on peut la poster Mais grave Bah vas-y qu'on ah, poste là Non mais en fait ce qui est fou c'est que Théo des fois il a des projets ça dure longtemps, genre, euh, et, ah ouais. voilà. Mais il y, y a des moments, il arrive comme ça, il surgit, il fait oh « Ouais, les gars, il y a une vidéo qui est prête, tenez, hop, allez. » Le rap et les jeux vidéo de tome 2, je crois que c'était à peu près pareil. Ouais, c'était incroyable. Vrai. Ça arrive comme ça, oh, fou, sortie, magique. Bref, on vous invite à aller regarder cette vidéo si ça n'a pas, si pas encore été fait, surtout qu'elle est vraiment très marrante et qu'en <laughs> plus, on apprend l'existence d'un jeu basé sur le lore Renault et c'est quand même assez dingue. C'est vrai, le lore, c'est bien vrai. Euh, du coup, euh, tout simplement, Witcher, 3... Witcher 1, du coup, euh, c'était un jeu qui avait beaucoup de glitches C'est pour ça qu'ils avaient aussi sorti une enhanced edition parce que en gros, euh, bah, euh, le jeu de base, il était bien buggé, il tournait pas sur toutes les machines. Et moi, je sais qu'à l'époque, j'avais testé donc sur différentes machines et en voyant systématiquement euh, des bugs similaires, des bugs graphiques, etc. Donc en fait, à chaque fois, ça me refroidissait. Et puis bon, on va être honnête, l'intro du jeu n'est pas ouf. Mais en fait, là, cette fois-ci, je me suis. Vu qu'il y a Cyberpunk, Cyberpunk 2000 machin qui sort bientôt, puis j'avais kiffé Witcher 3, euh, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien essayer de voir ce que ça donne ce Witcher, euh, ce Witcher 1 euh, maintenant, et je l'ai relancé. Et c'est vrai que passer. C'est euh, de la merde. Disons... Non, non, c'est pas de la merde. C'est que passer, <laughs> en fait, une intro. Euh, T'as tout un premier chapitre qui est dans une région qui est quand même pas hyper intéressante, avec aussi euh, vraiment des choix artistiques, je trouve douteux. Si vous l'avez. Oh! Bon, ma caméra a coupé déjà putain ah ouais sérieux c'est bizarre ça désolé si vous avez essayé d'y jouer euh, et que vous vous souvenez de ces chiens euh, vert fluo et avec une aura violette un peu bah ça c'est ouais. dans... ça c'est c'est un truc un peu pourri qui au début je trouve que je sais pas euh... mais au bout d'un moment quand tu arrives au deuxième chapitre on va dire dans, la... dans les zones suivantes et tout il y a quand même une magie qui commence à s'installer on te laisse un peu plus de il bah, y a plus d'espace à visiter c'est un peu moins euh plan-plan, parce que la première map est vraiment pas ouf, et du coup je l'ai pas fini mais au bout d'un moment quand même la magie commence à prendre, évidemment il faut euh, être capable de tolérer que c'est un vieux jeu bah, de 2007, et 2007 euh, côté Pologne quoi hein. c'est pas Gears of War ou Uncharted <laughs> oui oui j'ai une question Théo oui. euh, c'est pour ça que je, je lève le doigt oui. euh, <laughs> et il paraît que la maniabilité des anciens Witcher est catastrophique qu'en est-il ah bah, euh, en 2019 oui, bah en... Non, mais si tu veux, euh, faut... là, on est sur un jeu, euh, le premier Witcher, il est, il est jouable euh, de façon isométrique. C'est-à-dire, si tu appuies sur F1 ou F2, tu as une vue isométrique. Euh, ah ouais tu peux jouer en... Oui, tu peux jouer entièrement à la souris, tu peux avoir une pause, choisir ton pouvoir et tout. Tu peux y jouer comme un RPG euh, pointé-cliqué, quoi. Tu vois ce que je veux dire okay. Donc là, par ouais. contre, tu peux aussi y jouer d'une façon dynamique. Mais clairement, euh, c'est pas pour cet aspect-là du jeu que c'est intéressant. C'est... C'est vraiment okay. très basique. Il y a un système de timing, mais qui est. Euh, dans les combats à l'épée, en gros, tu vas avoir un truc qui, un icône, une icône qui s'éclaire, qui, qui, euh, qui brille, et là, tu dois appuyer pour être dans le timing. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est juste. Bah, c'est l'immersion. L'immersion, le, le côté RPG et tout. Et puis, euh, et puis Witcher 2, bah, c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait pas choqué euh, le gameplay, mais c'est vrai qu'en y revenant. Euh, pff, la dernière fois que j'ai essayé de le relancer, je me disais ah ils font chier avec leur gameplay chelou juste à Même Witcher sur... 3 non Non Witcher 3 ça passe encore. Et puis en plus Witcher 3 tu peux y jouer à la manette donc euh, bon ouais. c'est pas. Mais je trouvais pas que dégueu, le gameplay de mais... Witcher 3 était quand même pas dingo. Honnêtement. Non il est pas dingo mais si tu veux le, les Witcher 1 et 2 ils essaient de faire des trucs c'est bizarroïde et tout et ça te met vrai. Ça... En fait le problème c'est que ça te prend du temps de rentrer dans le jeu. C'est à dire mmh. qu'il faut s'investir, c'est pas genre exactement comme les jeux dont on va parler plus tard, les remédies, les jeux remédies, bah t'arrives, tu sais que tu vas tirer et t'es content, tu vois, tu, 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 tu vises et tu tires là. À chaque fois, faut réapprendre. Et puis aussi, c'est comment ton, comment tu crées ce feedback, ce game feel pour prendre ton plaisir en fait. Il faut réapprendre à prendre du plaisir avec ce, ce, ces feedbacks dont on n'a pas l'habitude en fait. Je sais pas comment mmh. expliquer, tu vois, c'est pas des gameplays dont on a, tu vois, mmh. c'est croustillant ce que tu racontes, Théo. C'est croustillant, <laughs> ça croustille. Non, mais c'est ça en fait. C'est que quand tu as. Quand tu non, mais ouais, je vois jeu, ce que tu veux dire. Voilà, je pense que tu vois ce que je veux dire. Quand tu reviens dans un style de jeu que tu as connu et que tu retrouves tes marques, bah, t'es pas là à te dire comment est-ce que ça va m'amuser. Tu sais déjà que tu vas t'amuser parce que tu as eu des expériences. Je parle pas de style de jeu au sens large, mais plutôt. Un peu de... comme quand tu joues par exemple à Max Payne, euh, les anciens, qui aujourd'hui voilà. sont, enfin, d'un point de vue gameplay, totalement anachroniques. Au début, tu démarres, tu te dis, ouais, c'est quoi cette merde En fait, tu te dis, ouais, mais je me suis amusé là-dessus, je vais m'amuser, quoi. C'est ça l'idée. Bah, honnêtement, moi, je trouve pas que ce soit anachronique, Max Payne. Bah non, mais tu sais, c'est l'ancien TPS. Quand hein, tu peu. regardes aujourd'hui, ça marche toujours super bien. Et, et, et c'est pour ça qu'on on, on allait parler de contrôle. Et moi, je trouve que c'est un des trucs qui est hyper bien réussi dans le contrôle. C'est qu'ils ont pris la formule de Max Payne et ils l'ont un peu euh, euh, remise au goût du jour. Mais au final, ils sont ouais. pas partis vers un cover shooter que que 50 millions de personnes ont fait avant eux, tu vois. Et c'est ça ouais. qui est cool. La transition mmh. est toute faite. Du coup, on va enchaîner ouais. sur Control parce que c'est un jeu auquel vous avez joué tous les deux. Ouais, exactement. Ah, J'ai très peu ouais. joué perso, mais euh... je l'ai fini pour le coup. Mais euh, c'est moi, ça m'intéresse aussi la comparaison que tu fais, euh, Guillaume, euh, le cover système, etc. C'est que du coup, après avoir fini Control, j'ai enchaîné, j'ai re-essayé de relancer Quantum Break. Euh, à l'époque, j'avais rage quit parce qu'il y avait une série. Et je me suis dit, ah, quand même, j'aime bien ces gars, ces Finlandais. Remédie, il faut que je fasse cet effort-là pour eux et tout. Et au final, j'ai l'impression, oui, justement, que même si Quantum Break, il a ce système, effectivement, de. Alors, il n'y a pas de touche pour se mettre à couvert, mais, euh, mais naturellement, dans une scène de fusillade, euh, le héros euh, Jack Joyce, n'est-ce pas Il va se mettre à couvert. Euh, d'une façon un peu seamless, tu vois. Et euh, mais c'est vrai qu'en fait eux, j'ai l'impression que leur game design, c'est de t'inciter à sortir de ta, de ta couverture, ouais. quoi. Mmh. Un peu comme euh, Uncharted par moment. Enfin surtout là dans Quantum Break, t'as beaucoup de grenades qui vont aller te déloger et par contre t'as énormément de pouvoirs qui te permettent de, de te mettre à découvert. Mmh. Par exemple, ton pouvoir, euh, c'est des pouvoirs temporels, mais tu peux arrêter le temps autour de toi, ça fait que les balles ne pénètrent pas. C'est un bouclier, hein, grosso modo. Euh, t'as aussi euh, les dashes, tu peux dasher. Donc ça, c'est un... moi, j'ai pas fait Vanquish, mais je me demande s'il n'y a pas aussi une similarité avec Vanquish cette histoire de dash puis tirer. Tu vois, tu peux dasher dans un mec, le, le pousser, lui tirer dessus. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Euh... Ah, c'est assez dynamique. Le... Moi personnellement, j'ai trouvé. Après, j'ai joué très peu. Hein. J'ai joué genre une ouais. demi-heure vite fait, mais j'ai trouvé le gameplay extrêmement lourd on ouais. me Break. On sent vraiment le corps du. Surtout personnage. quand tu es habitué à Remedy, à Max Payne, tu as ce truc où c'est bah, un cover... ça il reste des... il y a des covers, etc. Quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui se ressent aussi sur contrôle du coup Pas du tout D'accord enfin, En tout cas moi justement c'est ça qui m'a plu C'est que j'ai été vachement euh, révulsé par euh, Quantum Break Qui était très lourd Et, et, et Control, bah Déjà ça m'a donné envie de, de lâcher la télé Et d'y jouer en moniteur euh, Avec une souris ouais, ah, ouais. Et, mmh. et dans le gameplay t'as toujours ce truc Où au final bah par exemple euh, Les points de vie Tu récupères des points de vie que quand tu Fais des attaques euh, assez proches des ennemis, donc du coup, ça te pousse à aller attaquer les ennemis à, à bout portant ah, et de sympa, pas te, te cacher ou essayer de. de, 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 de tu dois perdre tes, tes réflexes à, que tu as eu avec bah, toute la génération qui a, qui a suivi uh, Gears of War, c'est-à-dire oui. des, des jeux où bah, justement quand tu vas pas bien, tu te poses et tu attends que ça revienne, tu vois. Bah, là, non, ouais, tu es ouais. obligé de, 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 de prendre des risques et euh, un peu un système de pari, quoi, en fait, c'est ça. Tu, ouais. tu te dis, bah, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je, je, je meurs comme une merde euh, bah, tu sais. Et, et j'ai trouvé ça, justement, euh, très rafraîchissant, au final. Alors que c'est une formule qui date de bien avant Gears of War, mais au, oui, final, au final, ça final. devient rafraîchissant parce qu'en face, bah, t'as que des jeux où tu restes derrière, euh, derrière euh, des sacs de sable ou des. des, des c'est très intéressant ce que tu dis, euh, Guillaume. D'une part parce que je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la formule Gears of War, qui était chouette, hein, mais mm. euh, qui, enfin euh, voilà, même là, Gears of War 4, je pense qu'il bah, n'a pas réussi à, à faire une place cinq outre mesure parce que, bah, c'est jeu... cinq, cinq, hein. oui, 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 oui. Oui, vrai que c'est déjà le cinquième. Euh, il n'a pas réussi à se faire une place outre mesure parce qu'au-delà du fait que ce soit un jeu Xbox et que tout le monde s'embranle des jeux Xbox, euh, c'est, le jeu renouvelle rien du tout dans, ouais. dans sa formule. Et il y a aussi ce fameux système de couverture qui est, qui est là depuis maintenant euh, qui a été si je ne m'abuse euh, grandement démocratisé par Halo et qui était le système où tu dois te cacher, ta vie elle revient à 100% et ouais. tu, repars, euh, tu repars à l'aventure mmh. quoi. Et j'ai l'impression que ces deux modes de, 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 ouais. de gameplay, de, de game design, même limite, euh, ils sont petit à petit ouais. en train de disparaître non, parce vrai. que les gens en ont un peu marre. Et donc du coup ouais, c'est intéressant de voir cette nouvelle génération qui émerge de jeux qui proposent ouais. au final un truc bah. qui, était, qui était déjà là avant quoi et ouais. ça t'offre aussi Doom. une espèce de, de euh, je, désolé Théo euh, ça t'offre aussi un, un, une nouvelle vue en termes de level design c'est-à-dire que à l'époque sur les jeux avec des, des covers tu vois que le level il est conçu autour des covers et donc du coup bah, oui, tout à fait. Tu, ouais. tu perds cette, ce côté très euh, bah, organique de l'architecture que tu peux avoir en général. Oui. Là, tu vois que tout est pensé en mode genre, ah bah, les mecs ils vont arriver d'ici, donc le, le, le joueur oui. il va devoir se cacher là. Donc, du coup, bah. Et t'as un petit muret ici. Ouais, voilà, donc machine. du coup, tout est un peu genre, euh, bah pensé autour du coup de la couverture, alors que dans, dans une dans la vie de tous les jours, bah ton bureau par exemple, il est pas pensé autour de la couverture. Tu te dis pas qu'il va <laughs> avoir des assaillants qui vont te sauter à la gueule et qui va falloir que tu te mettes à couvert. Oui, ouais. Donc je, je trouve que déjà ça ça rend le truc plus naturel. tu as moins cette impression de euh, le niveau a été pensé autour de ça. Tu vois, bah là non, en final oui. bah t'as pas besoin de reprendre ta vie en, en te cachant. T'as pas besoin de te mettre à couvert pour tirer. Donc du coup, tu as ce truc où bah euh, le, le, le naturel reprend le dessus sur les niveaux et tu peux concevoir des niveaux plus en termes d'architecture qu'en termes de level design. Et je trouve que c'est vachement intéressant. D'autant plus que euh, Control a une vraie euh, proposition en termes d'architecture et de design. C'est intéressant, ouais, du coup, le fait que j'y reviendrai après parce que euh, j'ai un jeu à évoquer qui a fait couler beaucoup d'encre sur le podcast de Miro mais c'est intéressant ce que, tu dis, euh, ce que tu dis, Guillaume. <laughs> Beaucoup de postillons. <rire> <rire> Exactement. Guillaume, juste pour dire... Un oui, petit tu truc, voulais ça dire rappelle... quelque chose. Non, non, mais pas grand chose. Je voulais dire, oui, ce système déjà, ce système de vie euh, qu'on doit aller chercher au contact de l'ennemi. Je... Moi, j'ai vu ça dans le Doom, le, re le reboot de Doom. Vous vous rappelez Oui. Je pense que ça vient entre autres de là. En tout ouais. cas, c'était ce qui permettait au jeu d'être super dynamique. C'était au lieu d'aller cacher, de chercher une vie, c'était au contact de l'adversaire que tu venais ouais. chercher ta vie. Maintenant, euh, en que ce qui te les maps, pour euh, choper ta vie, ouais. ouais exactement. Ouais. Et en ce qui concerne les maps réalistes, ce que Guillaume a dit, c'est super pertinent et ça me rappelle justement. C'est juste un, une anecdote. C'est que c'est ce que Kojima il a annoncé pour Metal Gear Solid 5. C'est qui disait, ouais, nous, on ne veut pas vraiment faire du level design, on veut représenter une vraie base, enfin des vraies ouais. bases, des vrais environnements, et laisser le joueur justement euh, se débrouiller, quoi, comme si mm. c'était la, la vraie vie. alors Quatrième mur atomisé. Oui. <laughs> <Déjà, rire> c'est vrai que maintenant que tu en parles, Metal Gear, j'ai jamais eu ce sentiment, alors que pourtant c'est un jeu basé sur la couverture ouais. la plupart du temps. Et ensuite, ouais. je tenais à dire que tu viens de glisser un point Kojima euh, comme ça. Il est passé ouais, inaperçu. Kojima. Donc, euh, <laughs> encore un podcast avec un point Kojima, un ⁇ Et On le enchaîne. prochain sera irrémédiablement blindé de point Kojima, puisqu'on aura tous joué, ou presque... Enfin, si Guillaume, oh. tu vas y jouer aussi. Ah, oh, moi je l'ai préco, je suis chaud. Hein. trending <laughs> voilà. Donc ça, c'est ça qui vous attend pour le prochain podcast. Mais attends. C'est vrai il que sort le, le, 20, le, vois, le système de vie, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'hier, je me suis fait la réflexion, je regardais euh, une vidéo de Jedi Fallen Order, et, et, et ils, ont, ouais. ils ont mis à des systèmes de Medikit. Et je me suis dit, ah bah putain, c'est vrai que de ouais. plus en plus, le système démocratisé par Gears of War, Call of Duty et Halo, de, 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 de vie qui remonte automatiquement, oui. est complètement revu aujourd'hui pour un système euh, plus euh, bah, basique de... Euh, plus immersif au euh, final. Ouais. Ouais. C'est un peu facile de, 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 de se cacher et de récupérer toute sa vie alors que tu viens de te prendre 700 balles, tu vois. Ah bah ouais, et bah donc forcément, clair. pour l'immersion, c'est plus, plus cool. Euh, je, je me pose la question parce que toute cette conversation me fait penser à The Last of Us 2, qui arrive. Euh, dans le premier, t'avais une barre de vie ou tu rechargeais Ouais, ah ouais, non, si t'avais le Medikit parce que t'avais tout ce truc ouais. où en fait oui, l'alcool que tu récoltais pouvait te oui. servir soit à faire un Medikit, soit à faire un cocktail Molotov. Exactement, euh, mon cher Guillaume, je ouais, m'en souviens ça, maintenant bien. que tu en parles. Donc euh, bon, voilà, ça va pas changer sur le deuxième épisode. Mais c'est vrai que j'avais ce truc euh, sur le The Last of Us 1 où t'arrivais dans ces fameuses zones très, euh, ouais, très carrées. Ouais. Hein où tu voyais du coup directement bon là je me cache là l'ennemi il passe ici ouais. machin 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 et j'espère justement que le 2 va un peu briser ce c'est euh, ouais ce, ce level ce design en arène trop, au final c'est un level design oui, en arène voilà. Qui est, est exactement qui, est, qui est un ça. peu. Ouais, Qu'est-ce euh, qui peu... qu qu'il. Guillaume, tu... Théo, tu avais quelque chose à rajouter sur les jeux auxquels tu as joué euh, ces derniers temps hein Non, bah, tu sais, il te... y a tellement de choses à dire sur ces jeux, que ce soit sur les jeux Remedy, que ce soit sur Witcher. Euh, je pense que. Alors, peut-être que j'en place une. Maintenant, on a un format, euh, ça je le dis, pour les abonnés du YouTube. Oui. Euh, qui peut-être ne savent pas qu'on a un SoundCloud où on peut retrouver aussi le contenu, euh, par exemple les anciens contenus. Euh... Les anciens contenus de Pazou, la soundtrack du dimanche, voilà qui oui, était disponible et maintenant on a ce format le Trollcast qui oui. est euh, 100% sur le SoundCloud et justement ou bon bah, quand on a envie de se faire plaisir à parler d'un jeu, bah, maintenant on a ce format là. Par contre, voilà, si vous voulez le retrouver, c'est uniquement sur euh, bah, les plateformes audio. Plateformes audio, voilà, c'est ça. Et justement, bah c'est vrai que quand tu vois tout ce qu'a fait Remedy, tu te dis ouais, peut-être que ça mériterait un un podcast. Donc euh, je vous en parlerai les amis et tout mais voilà, ce que je veux juste dire, c'est que bon, on pourrait en parler des Ça heures. Ça pourrait être une excellente idée. Voilà, on pourrait en parler des heures. Donc, rien d'autre à dire. Guillaume. Oui. À quoi t'as joué en plus de ce que t'as déjà évoqué euh, J'ai envie de parler au présent avant de parler au passé. Euh, je, en ce oh. moment, je joue à Zelda Breath of the Wild parce qu'on parle de gameplay émergent et de euh, oui. renouveau du gameplay et du monde ouvert, hein, les amis. Et euh, Tout à Et en ce moment, je joue à Zelda et. Et en fait, c'est un jeu qui pas, que j'avais apprécié vraiment, mais qui m'avait pas marqué. Et là, en y rejouant, ouais. je me dis putain, mais il est vraiment génial. Mais en même temps, il est aussi génial qu'il est frustrant. Cette difficulté variable. Ouais, exactement, qui est hyper variable. C'est que en fait, ouais. là où dans un RPG classique, euh, où tu te dis bah ok, cette zone là, c'est niveau 40, cette zone là, c'est niveau 30. Et bah dans Zelda, ils ont gardé ce truc de zone, mais en te disant tu peux aller où tu veux. Sauf que, bah, tu te ouais, fais mais après, comme... le perso, il évolue pas des masses. quoi. Bah, et puis, tu évolues super lentement avec les sanctuaires. Ouais mais c'est pas agréable justement de... Enfin agréable le mot est fort, mais genre tu sais d'aller de... à une zone de toi-même et te dire, bon bah cette zone là j'y reviendrai plus tard et maintenant je vais aller voir un petit peu ailleurs, non Après il y a forcément, c'est un autre système qui te pousse à justement à, à cuisiner plus, à, à, à t'adapter à ton environnement par la cuisine en te disant, attends là il y a beaucoup d'ennemis de, euh, qui font des éclairs, bon bah je vais mettre un truc anti-électricité, anti mais je trouve ouais. que ça aurait mérité à être un peu moins difficile est un peu plus euh, accessible au début du jeu, tu vois. Surtout qu'en plus, la notion de point de contrôle, elle est un peu euh, aléatoire. Ouais, C'est ouais, 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 un peu quand ça leur plaît, tu... quoi. Et en même temps, tu as ce délire de découverte et de voyage, et tu te balades, machin et tout. Et puis à un moment, tu peux te faire niquer pour rien. Et à l'époque, je l'avais fait surtout en nomade. Et là, je joue avec ma compagne, donc forcément, je joue en... sur télé. Et ouais. c'est quand même beaucoup plus sympa euh, sur télé. <laughs> Et t'as as ouais. vraiment plus ce, ce sentiment d'immensité, tu vois. Et le, la manette pro de la, game, de, la, de la Switch est quand même très cool aussi. Mais techniquement, sur télé, c'est pas choquant. Non, pas du tout. Le jeu. Bah il, non Mais, mais c'est là où tu te rends compte que t'as pas besoin de graphisme extraordinaire si t'as une DA qui déchire. Faut quand même tolérer l'aliasing, quoi. Honnêtement, c'est pas choquant. Et pourtant, je suis sur une télé 4K, hein, mais. Ouais, mais ça se trouve ta télé elle lisse, non Ça se trouve parce que je sais que les nouvelles télé elles, elles ont peut-être ces capacités-là, ce qui serait bien. Hein. Parce que je me souviens de l'avoir branché sur un moniteur, et puis j'étais là genre, pff, ouais, je vais y jouer en, en nomade quoi. Enfin bon ouais. après. Euh... Bah honnêtement ça m'a pas choqué et ça m'a surtout me fait me rendre compte là ces derniers temps parce que je joue beaucoup justement avec ma compagne et ça m'a fait me rendre compte que putain mais genre c'est trop bien la Switch en fait parce que j'ai ouais, passé ouais. toutes les deux premières années à y jouer que en nomade et j'avais utilisé honnêtement le moment où je me suis mis à réutiliser le dock je l'avais utilisé peut-être une fois dans ma vie mais c'est vrai que même il n'y a pas longtemps encore tu me disais le dock j'y ai jamais touché ouais. quoi. et là j'ai ouais, passé ouais. peut-être euh, 100 heures peut-être pas 100 heures mais genre 50 heures sur, le, sur la Switch en, en docké quoi. et tu te dis mais en fait ça marche dans les deux sens c'est trop cool tu vois t'as passé toute ouais, une ça. partie à y jouer en nomade et là tu joues, joues en, en docké euh, c'est le partage, les le amis partage aussi. Les amis. Le partage, hein, un écran commun. C'est marrant parce que justement l'aspect partage, je l'ai tout de suite pris de plein fouet avec la Switch parce que je suis sorti avec beaucoup au début. À ce moment-là, ma copine, elle travaille dans un bar, donc le soir, j'allais et tout. Je pense que j'en avais parlé dans un podcast, mais si tu veux, tu peux partager l'écran de la Switch, tu vois, sans la doquer, tu vois. Il y, y, y a plusieurs stades en fait. Il y a plusieurs strats, oui, je vais oui, dire. dire aussi mais c'est plus compliqué quand même. Bah non, par exemple, T'es dans le lit avec ma copine et vous savez ce qu'on fait dans le lit Bah on joue à la Switch les mecs. Ah bah là, et euh, on, et sait du coup... on sait ce que vous faites pas. Oh, exactement. Et du coup, bah les deux Joy-Con, on a joué, on jouait à Tetris, on jouait à Sniper Clips, on jouait à Rayman Legend dans le lit. On s'éclate. Non mais ouais, de ouf. Ça marche. Voilà. C'est vrai que ça marche aussi. Pas c'est euh, okay, ça que je veux dire. De, bon, devant ouais, la voilà. télé, c'est quand même, euh, c'est quand même plus chouette, tu Il y a pas, y a pas de concession parce que c'est vrai que quand tu joues à deux, enfin, euh, c'est un peu compliqué euh, quand as un écran portable et tout machin. Ouais. Non Je sais bon. pas pourquoi je dis ça. C'est pas, pas intéressant. On va avancer. <rire> <rire> Guillaume, t'as pas yes. joué que dans le passé Non, t'as ah. pas joué que dans le présent. As non, j'ai joué, dans, ouais, le passé joué dans le passé. Euh, j'ai joué à très rapidement. J'ai joué à Marvel Ultimate Alliance 3 qui si Donc, vous du voulez coup, le faire à... d'oké. Ouais, d'oké. Si vous le faire à plusieurs, hey, hey. c'est super cool à faire honnêtement, ça, ça passe ça passe tout seul comme un bon film MCU quoi, genre tranquillement. Euh. Ouais. C'est pas c'est mmh. pas c'est pas le jeu que je vais conseiller à tout le monde comme le prochain que je vais conseiller à tout le monde, mais c'est ouais. un bon jeu. Mais le prochain ah, que je conseille à tout le monde, c'est The Return of the Obra qui est vraiment ouais. très 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 cool. Qui est sorti sur console là du coup si Ouais, je qui est amuse. sorti sur console. Moi j'ai joué sur PC, mais euh, et c'est ce qui est en plus génial avec ce jeu, c'est qu'il est mais genre hyper léger. Euh, genre on a commencé le jeu sur le MacBook Air qui date de je sais pas combien de temps de ma copine et on a fini sur Shadow, mais genre euh, ça marchait, ça tournait nickel sur le MacBook, tu vois. Ouais. Et euh, non, le jeu est trop cool. Rapidement c'est une, une enquête euh, euh, dans un dans un navire. Et euh, ouais. le personnage... Est-ce hein, que c'est il... basé sur... Euh, Est-ce que c'est basé sur croisière pour un cadavre Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas basé sur la, console, la, la, la chanson des, des Beatles O'Braddy O'Bradam. L'année <laughs> <Même> dernière, rappelons le le générique d'ouverture de, de Corki. <laughs> oui. euh, donc du coup, le personnage a une espèce de montre à gousset qui, euh, sous... Euh, l'effet d'un cadavre lui permet, vous permet de montrer en fait les derniers instants de ce cadavre. Donc tu te balades en 3D dans ce shot et euh, du coup tu vois des indices etc. Et tu dois déduire comment il est mort, comment il s'appelait et qui est-ce qui l'a tué. Et c'est génial. C'est le Cluedo quoi. Mais du coup... Ouais mais exactement mais c'est du Cluedo mais genre euh, interactif. Le problème c'est que ces genre de truc en général j'adore au début et après une heure ça me fait chier parce que je trouve plus, euh, je trouve plus non, rien. Hein. Et je suis bloqué. Et là, en fait, t'es jamais réellement bloqué. D'accord. Notre progression, elle a été quand même assez euh, linéaire et euh, on n'a jamais été bloqué au, au point de te dire merde, mais attends, mais là, on fait comment, on fait quoi Et euh, au moment où moi je te dis, oh, vas-y, ça me saoule, on arrête, tu vois. Vous avez ouais. pas regardé sur Internet À aucun moment, on a regardé sur Internet. On a fini le jeu ah, à 100% chouette. et à aucun moment on a regardé sur internet. Vous n'êtes pas Ça, des tricheurs. Génial. Bravo Guigui, bravo Guigui, bravo. Merci. Nous, nous te décernons le, le, le succès euh, euh, n'a pas Gigi regardé sur internet. Voilà. Exactement <laughs> le, 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 le Guigui qui Gigi d or. D or. <laughs> Mais euh, non, c'est la question très que je voulais... cool. Mais des, des... Ouais, pose ta question, vas-y. Oui, je pose ma question. Après, je, je, je te laisse tranquille, promis. Euh, est-ce que c'est du coup plein de petites histoires où il faut résoudre des trucs ou est-ce que c'est euh, euh, une grosse, enfin plein de petits euh, mystères qui au final en, 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 fin, qui sont englobés par un gros mystère. Euh, bah c'est ça. En gros le, le okay. Obradin c'est un, un navire marchand j'imagine qui est parti en, exp en expédition et il est revenu, il n'y avait plus personne. Et donc toi tu dois juste, à 60 personnes, t'avais 60 personnes au départ et tu dois dire ouais. qu'est-ce qui est arrivé à ces 60 personnes. Et toujours, c'est mieux à faire à deux, hein, évidemment, ou à plusieurs. Oui, parce que ouais, les déductions ouais. tu peux... Euh, les, les... Ça débarre un petit peu. Tout voilà. Ça. Ouais. Et donc, c'est vraiment très, très cool. Ça, ça tourne sur absolument rien. Comme j'aime le dire, tu donnes fin. Euh, j'ai juste une, une petite question. Petite question. ah, ah toi toi On aussi, a tous des questions, c'est génial. Théo, ouais. commence, parce que j'ai posé la dernière question. J'ai récemment nettoyé mon dossier de téléchargement sur mon laptop. <laughs> point barre. Ouais. Allez, bonne soirée. D'accord, je rigole. <laughs> J'ai trouvé un dossier qui s'appelle Obradine, qui date de août 2015 et qui est un jeu. Et je viens de comprendre en écoutant Guillaume et vous me confirmerez ça dans les commentaires. Je viens de comprendre qu'en fait il y a un jeu qui s'appelait Obradine, qui est le jeu qui vient avant Return of Obradine. Ah ouais Oui, parce que celui-ci s'appelle Return of Obradine du coup. Ouais. Mmh. Et je me dis, mais attends, ce dossier que j'ai là sur mon ordi depuis euh, des années, j'avais commencé ce jeu, c'était un jeu en... où t'étais sur un bateau, c'était en noir et blanc. Ah, bah, c'est ça. Et moi je pensais. Mais non, mais je pense que c'est le prototype ou c'est le Putain. jeu qui vient avant. Mais ce ah, qui m'étonne, bah, c'est que. pour Pourquoi je retrouve cette relique sur mon ordi et, et au final, j'en ai pas réentendu parler, quoi. C'est Je vais, j vais te dire et... pourquoi, Théo. C'est parce que tu es un ancien. Mais grave, t'es un gramme. <laughs> je suis impressionné, moi, Théo. Dans toutes les circonstances. Tu es le plus ancien <laughs> des anciens, d'accord Quand le monde parle d'Obradine <laughs> Return, toi, en 2015, tu avais déjà Obradine sur ton laptop. Tu es un ancien, Théo. Oui, je suis un ancien, mais je comprends. Je croyais que c'était le même jeu, en fait. Et en fait, quand Guillaume, lui, a correctement dit le nom Return of Obradine, je me suis dit, en fait, c'est pas le même jeu. Mm -hmm, connexion neuronale. Et ben, je vais le relancer tout à l'heure, et Guillaume, au pire, on croisera les, les flux. Tels les Ghostbusters et on saura si c'est le même oui. jeu ou non tout simplement. Ah, grave. Voilà. Qui c'est qu'on appelle Quelqu'un d'autre. Si vous avez vu le film Casper. <rire> <rire> Alors vraiment, tu m'as donné envie, Guillaume. J'espère ne pas être dérouté par l'aspect graphique du jeu parce que c'est vrai que c'est quand même assez minimaliste. Franchement, ça euh, passe. mais comme tu l'as, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, au hein, euh, euh, oh, oh, diable, euh, diable euh, les graphismes, mm. n'est-ce pas Le plus important, c'est de s'amuser. Euh, <laughs> je vais du coup pour finir ce, ce, ce à quoi tu joues évoquer donc le fameux jeu le euh, jeu de la qu discord qu'on pas encore nommé le, si, le jeu de la discord qui a été nommé par Théo tout à l'heure qui l'a nommé plague of tail et qui s'appelle en réalité Uplectail. <laughs> tail euh, donc du coup j'ai joué à Uplectail, tail un jeu qui si vous ne l'avez pas écouté dans le podcast numéro 25 a été euh, longuement évoqué par euh, mes deux compères euh, j'ai réécouté votre intervention sur le podcast numéro 25, et euh, bah franchement, je suis d'accord avec vous deux. En fait, mais quand même, je tiens à dire que je suis d'accord avec vous deux. Mais en jouant au jeu, bah au final, ça m'a pas éclaté à la gueule. Peut-être parce que j'ai pas un esprit super critique, on va pas se mentir. Quand je joue à un jeu, j'ai tendance à laisser, me laisser un petit peu porter. Euh, je suis d'accord avec ce que t'as dit, Guillaume, sur le fait que. Euh, le jeu au final euh, euh, exposait ses références un peu grassement hein, le, la référence à Star Wars avec Dark Vador, Palpatine et compagnie euh, ça je suis d'accord avec toi euh, mais ça m'a pas tu vois ça m'a pas explosé à la gueule quand je jouais je me suis quand même laissé porter par l'histoire euh, au final le truc qui est assez fou avec mon expérience sur, euh, sur Plague Tale c'est que j'ai pris le jeu en me disant c'est un jeu à petit budget, soit euh, soit clément, tu vois, avec le jeu. Euh, et au final, le jeu il a tellement rempli. Enfin, euh, il était bien au-delà de mes attentes que je me suis laissé vraiment porter par le truc du début à la fin. J'ai passé un excellent moment. Je... On va pas se mentir, ça reste quand même un jeu euh, qui est un peu de la génération précédente. Tu vois ce que je veux dire, Guillaume C'est que euh, tu commences le jeu euh, directement, t'as une petite phase d'infiltration. Les gardes, ils sont un peu concons euh, Tout le monde parle à voix haute pour te dire un peu où faut aller. Euh, ah, il faut aller en direction des roses quand tu es à la bibliothèque. Ouais. Là, la meuf, elle le répète 50 et fois. et pour elle faire des mêmes de l'exposition. Genre, mmh. le pire, c'est que c'est inutile parce que le jeu est linéaire au possible. Donc, de toute façon, que tu vois ou non les roses, tu y vas vers les roses. Mais le truc, bah, c'est ouais, que le perso le répète. Parce que de toute façon, t'as ouais. pas ouais. le choix d'aller ailleurs. C'est pas et un monde voilà. ouvert, tu vois. C'est euh... que, tu vois, pendant une fraction de seconde, j'étais là à me dire Oula, attention, il faut que je sois attentif. Faut que je trouve ouais. les roses. sauf qu'à un moment je me suis dit: Bon bah Nick, de toute façon je le suis le chemin, et il va aller trouver tout seul son, son putain de bouquet. Bah ouais, c'est vrai. Euh, le jeu est, est vraiment cool, mais c'est vrai que dès le début, dès la première séquence vraiment de gameplay où il y a un espèce de tuto où t'es avec Hugo et qu'on te dit: Bon bah vas-y, euh, il faut sortir du, du domaine des, des deux runes. Euh, dès le début du jeu, j'étais sorti du jeu. Parce que c'est parce que un jeu qui est très très jeu vidéo. Euh, C'est le débat du jour d'ailleurs, euh, donc euh, chers auditeurs restez avec nous, mais voilà quoi, j'étais euh, directement en dehors du jeu parce que, bah face d'infiltration, parce que bon bah tu lances un caillou sur, euh, sur un truc métallique, et donc euh, bah, forcément le garde il va bouger parce qu'il est con comme un manche à balai, j'ai quand même apprécié le fait, même si ça sert pas à grand chose, que quand tu le fais deux, trois fois, le garde il dit euh, « Oh !» C'est la deuxième fois que ça fait un bruit, tu vois Tu te dis ouais. quand même, ils ont, ils ont essayé de briser... Ouais, mais bon, le... il va pas non plus essayer de chercher plus... <laughs> non, non, euh, Guigui, que... je suis pas d'accord avec toi. Il, oh là, il, ça il cherche ailleurs au bout d'un moment, le, le, le garde. Non, moi, je veux bien qu'on critique, mais faut aussi se vérifier ses sources, <laughs> euh, Guigui, enfin Non, mais c'est mort parce que... C'est reparti Parce qu'il euh, euh, y a pas si longtemps, je suis tombé sur un truc de jeuxvideo.com, c'était quel jeu est surcoté Et je pense que c'est réellement le jeu que je trouve le plus surcoté de l'humanité quoi. Non, Guillaume, c'est pas ça, vraiment, en fait, je pense... plus j'y repense et plus je m'énerve en y repensant en me disant mais, mais comment non. des gens peuvent vraiment dire ce jeu est chef-d'œuvre Genre comment écoute on peut moi, mettre 9 moi. sur 10 à ce jeu-là, tu vois Je me dis mais attends, mais ah, 9 pas sur 10, c'est peut-être un peu poussif. Mais en fait, toi, je pense que tu le considères vraiment trop comme si c'était un jeu pété de thunes. Non, 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 quoi. non, ça c'est pas vrai. Ouais. Alors, ça c'est une excuse de merde. Parce qu'il y a Déjà, Personne n'a mis 9 regarde, sur 10 le à ce le, jeu. Hein. Le, le même, le, le, ce même podcast, 10, ce même podcast je, vantais, je vantais les mérites de Banner Saga. Là, je vantais les mérites de Obradin. Donc, ça n'a rien à voir avec le budget. Ça n'a rien à voir. C'est juste un moment. Bah, si, ça a tout à voir. Et de je suis pas du tout d'accord avec ça. Tu... Non mais là tu te donnes le beau rôle en parlant d'Obradine Et de Banner Saga alors sûr. que là on parle d'un jeu Qui essaye d'être en compétition Avec mais des titres A ça n'a rien à voir Et, et je vais non, te attendez, dire un truc attendez, attendez. Ok Par rapport à ces histoires de 9 sur 10 Gigi, Je te dis ça avec toute mon affection à ton avis combien il a euh, Sur Metacritic euh, le jeu Mais il a une super bonne note justement Je te parle de ça non Il a 80 C'est super bien mais, bah non c'est pas les super amis, calmons nous bien. calmons nous parce que -nous. moi au début je me disais je me disais bon c'est encore les français qui sont contents parce que euh, parce que les français euh, ils, sont, ils ils ont fait un jeu correct et en fait non même les américains ils aiment bien le jeu je me dis mais attends mais comment c'est possible 81 c'est pas un score de ouf hein. ça veut dire que les gens ont trouvé que c'était sympathique hein. attends, les les amis je savais qu'en parlant de ce jeu j'allais à nouveau déchaîner les passions non non c'est pas ça c'est que c'est juste que ma, ma caméra. J'ai pété ma caméra. Voilà, je le dis. Je suis allé filmer un clip dans une piscine avec ma caméra et maintenant elle surchauffe et ça coupe. Je suis obligé de la relancer sans arrêt. Ah et J'ai un peu le seum en temps réel. <laughs> Parler de ouais, plektail, le plus la caméra qui déconne, voilà. c'est le cocktail explosif. <laughs> c'est <Donc>, ça. <laughs> euh, je, 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 en fait, si tu veux, Guillaume, euh, je, je suis pas le public pour plektail du tout. Euh, je en suis plus. un qui coujappe. Il <laughs> euh, y, y a plein de facteurs qui font que vraiment le Plague c'était pas pour moi. Peut-être avec mais, une oui. version japonaise. <laughs> ouais, peut-être, peut-être. Si j'avais mis les doublages en japonais peut-être que ce serait encore mieux passé. Mais le truc c'est que littéralement, euh, en dehors de mon expérience de joueur qui va être débattue en deuxième partie de podcast, le jeu m'a diverti. Tu vois, c'est que je me suis laissé porter. Je me suis pas ennuyé outre mesure parce que, quand même, le jeu, quand tu regardes bien, quand tu prends un peu de recul, t'as deux phases. T'as la phase où tu joues avec les ennemis, c'est des gros mongols, et t'as la phase où tu joues avec les rats. Mais bizarrement alors que le jeu dure combien de temps il dure une dizaine d'heures non si je dis pas de bêtises ouais. 10-12 heures ouais, je me suis pas ennuyé ça. en 10-12 heures et j'avais envie de jouer au jeu et c'est vrai que des défauts j'en ai vu j'en ai vu beaucoup euh, très souvent quand je jouais au jeu je me disais j'ai l'impression d'être en face de Dishonored qui est un jeu qui a reçu aussi très bonne presse je sais pas si vous avez joué à Dishonored les non, amis. si si ouais si, si. tu non, as joué Théo ouais, ouais j'ai fait les deux mais vas-y bien... moi je... Non, moi c'est pas c'est des... parmi les immersifs sims c'est ceux que j'aime le moins. <laughs> D'accord. Je trouve ça cool mais sans plus. Enfin c'est des super jeux mais ça m'a pas plus parlé que ça en fait. Mais bon vas-y. Ouais. Je... Bah moi j'ai fait le 1 de Dishonored parce que j'en avais entendu beaucoup parler en bien et en fait le truc qui me gênait un peu dans le jeu qui était pourtant encore une fois super euh, plein de bonnes idées machin machin c'était euh, ces ennemis qui étaient un peu concon et qui parlaient à voix haute. Ouais. C'est un truc. Euh... C'est un truc qui a tendance un peu ouais, à sortir des jeux, et pourtant ouais, j'ai du mal à sortir des jeux, mais là c'est vrai que euh, niveau, niveau mise en scène c'est un peu euh, des pâquerettes. Et t'as le même souci avec Plague Tale, le truc c'est que ouais non je sais pas, le, le jeu remplit sa mission de divertissement, mais c'est vrai que quand tu as un œil un petit peu plus aguerri, c'est plus compliqué. Là encore une fois c'est un jeu que j'ai fait avec ma compagne, elle, elle, a, elle a kiffé sa race parce qu'elle bah, elle voyait pas tout ce que moi je voyais dans le jeu. Et je pense que c'est au final surtout un jeu qui s'adresse à des gens qui jouent, qui jouent peu, tu vois, qui sont un peu plus, euh, un peu plus casual que nous, même si j'aime pas ce mot. Et c'est là toute, euh, toute l'ironie la... du jeu, c'est qu'il s'adresse au final à des gens qui sont un minimum informés, parce que le jeu sort de nulle part et il a pas eu beaucoup de presse. Mais euh, je pense que pour les gens qui sont trop expérimentés, euh, et on se retrouve euh, face non. à une situation un peu, un peu Guillaume. Non, tu vois non. Alors, je veux bien entendre ton argument. Mais il est faux. Là je fais mon Eric Zemmour. C'est faux, c'est faux. Non, le c'est pas vrai parce que moi aussi, figure-toi, j'ai joué avec ma compagne et elle, elle s'est fait chier du début à la fin. Et pourtant, j'ai joué à plein d'autres jeux en solo devant elle et elle kiffe. Donc c'est pas. Mais n'était-elle pas influencée par Guillaume la mauvaise foi Franchement non, je disais rien. J'ai vraiment, j'ai éclaté à la fin du jeu quand je l'ai fini et j'ai dit, oh putain, c'était vraiment pas terrible. Mais pendant oh tout le truc, j'étais là, de... tu sais, moi, j'étais vraiment, non, j'étais le mec qui a vu plein de trucs de, de gens que, que je considère, euh, des journalistes, etc., qui disaient que c'était des bons jeux, etc., un bon jeu. Donc, j'étais vraiment, je suis vraiment parti en me disant, non, et tout, ça va être bien, je suis content, j'ai hâte d'y jouer. Et elle, pendant tout le truc, elle était, oh là là. Et, et, et là, c'est peut-être, justement... Un truc qui permet d'appuyer mon côté, euh, le côté sur la, tout ce qui est euh, comment, mise en scène, euh, euh, exposition, scénario, narration, etc. Parce ouais. qu'elle, justement, en termes de gameplay, bon, elle voyait que c'était pas folichon, mais bon, elle avait pas non plus trop de, de, de comparaison, on va dire. Oui. Mais en termes de, 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 de narration, bah, c est, elle est comme moi, elle est cinéphile, etc. Donc, du coup. Oui. Là, elle voyait que ça suivait pas, que c'était pas terrible, quoi. Que oui, mais il y, 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 a, y a plus que ça, Guillaume. Tu vois, le, le jeu dans ses mécaniques, il fonctionne quand même. Tu sais tous ces sorts que tu as qui te permettent d'éteindre, d'allumer les lumières, machin, machin. Donc du coup, ok les gars, on a eu cette conversation le mois dernier. <laughs> le problème, c'est que <laughs> moi, je vais faire un truc plus global. J'ai l'impression quand même que on a un problème tous, pas, pas Guillaume, pas moi, tout le monde. On a un problème global et je, je pousse ce coup de gueule. Et j'ai même plus d'image parce que ma caméra a surchauffé et ne marche plus. Ah C'est terminé. Donc j'ai le seum. Non, je rigole. <laughs> mais. Je... On a un problème global, c'est qu'en fait, on a des expériences subjectives de jeu à des moments de nos vies, Avec dans un certain contexte, avec une certaine personne à nos côtés, avec un certain mood. Peut-être qu'on s'est cogné le pied euh, dans la commode. Peut-être qu'on a la caméra qui déconne. Peut-être qu'on a la caméra qui déconne. Et tout ça, après, on essaye de le rendre objectif. Alors que ça est... là, par exemple, Guillaume, je comprends que tu n'as pas kiffé, mais je vois aussi énormément de subjectivité dans ce que tu dis. Et par exemple, quand tu parles du système. <laughs> en quoi c'est subjectif En fait, tu abuses. En quoi, en... En quoi en quoi mon expérience En fait, ton expérience euh, n'est pas valide. le jeu, elle a, elle influe, elle a sur le gameplay qui est, plin, <laughs> qui est flingué. À quel, à, à bah quel non, moment Bah non, c'est pas le cas parce qu'en fait, c'est subjectif. Non, mais tu fais semblant de pas me comprendre. Les mecs qui ont fait ce jeu, ils t'écoutent. Ils doivent être en train de pleurer et dire Oh putain, il a, il a pas <laughs> vu ce qu'on essayait de faire, tu vois. Par exemple, y a, moi quand j'y ai joué, j'ai réussi à faire des choses entre guillemets tel Breath of the Wild, c'est-à-dire des choses un peu où j'essaie de d'utiliser le système qu'on me donnait oui. euh, de manière détournée. J'ai réussi. Alors toi, tu n'as pas réussi parce que peut-être tu jouais avec une personne qui ne connaît pas les jeux vidéo. Mais quand tu connais les jeux vidéo, tu as, tu prends ton temps euh, pour essayer d'exploiter le système et tu arrives à faire des choses quand même. Comprends-tu ce que je veux Alors, dire Alors, les amis, malheureusement, bien. je me retrouve encore dans le rôle de la Suisse à croire que c'est c'est ma fonction première. Donne-moi un truc, exemple, s'il vous... te plaît. Non non attends attends bah, vous avez tous les fait, deux raison le jeu en fait, en fait. parce que Théo, évo... Théo évoquait à la fin du podcast euh, la de... enfin, dans votre conversation dans le dernier podcast le fait que euh, bah justement à la fin du jeu tu peux utiliser un truc plutôt qu'un autre et le script est même pas le bon parce que du coup le perso dit ah bah voilà. t'as bien fait d'utiliser ça alors que voilà c'est vrai euh, C'est vrai que euh, tu peux surtout à la fin du jeu quand tu as une armada de possibilités, euh, tu as mille façons ah oui de détourner l'attention des gardes. Tu peux même oui. moi par exemple tu euh, peux les tuer, le délire, tu peux ne pas les tuer. Sans spoiler le jeu, le dernier pouvoir qu'on te file à la fin du jeu, j'arrivais pas trop à l'utiliser. J'ai fini le dernier niveau sans quasiment jamais l'utiliser parce que bon à part quand c'était vraiment nécessaire, mais c'était rare. Ouais. Euh, je suis aussi d'accord avec Guillaume qui dit que c'est vrai que le jeu te tient énormément par la main en te filant toujours exactement les, les ingrédients dont tu as besoin. Après, c'est plus ou moins normal parce qu'il y a des moments où la situation elle se débloque que d'une façon X bien précise, surtout au début, et donc forcément, bah, tu es obligé d'avoir les ingrédients oui, en et cours la de faut route, à qui sinon bah, la faut à qui, alors tu te retrouves bloqué. Sinon, tu te retrouves bloqué. Mais ben non, mais c'est le jeu qui veut ça. Mais du coup, euh, je pense que la deuxième partie du podcast va être passionnante et on va y passer tout de suite. Je propose, euh, au cas où. Alors attendez, hop, ma caméra a coupé, je la relance vite fait pour quelques secondes. Euh, je propose qu'on lance une musique libre de droit hein, qui nous permettra de, de survivre à YouTube. Et euh, bah on se retrouve juste après du coup et on va ensemble introduire le, le sujet du podcast qui je le pense va être endiablé puisque Théo est complètement zhef <laughs> et ben... Guillaume a envie de chier sur Flecté. <laughs> Donc on se retrouve Incroyable. juste après la musique libre de droit pour euh, pour un magnifique débat. On va on va introduire le sujet ensemble. Les amis, nous sommes de retour après euh, ce petit extrait de musique euh, libre de droit, je l'espère. Hein on va aller piocher, euh, je pense, dans un truc SoundCloud à la con euh, pour euh, être tranquille. Ouais. <laughs> Et donc du coup, euh, bah, on va attaquer le, le sujet du podcast, du coup, euh, euh, qu'on a, euh, qu a trouvé très récemment. En fait, le truc, ça concorde avec l'expérience que j'ai eue sur Tales, c'était un peu de parler... En fait, à la base, on voulait parler de, de comment on ressentait le jeu vidéo quand on était gosse c'est que le jeu vidéo c'est quelque chose euh, on est euh, on a un certain âge maintenant hein, on peut le dire hein, on approche tous de la trentaine n'est-ce pas on perd un peu nos cheveux Mais... sauf toi Ken voilà moi ça va j'en ai de plus en plus euh, mais je profite justement avant que ça arrive, euh, on a, on a, le, le jeu vidéo on l'a tous vécu comme quelque chose d'un peu euh, métaphysique quand on était enfant, parce que c'était encore, euh, même si ça existait depuis un certain nombre d'années déjà, c'était encore un peu mystique hein, pour nous le fait que bah, des personnages se déplaçaient et réagissaient à, à nos actions, qu'il y en avait d'autres qui nous barraient la route, etc. Et on était parti à la base sur ce plan. Donc, du coup, on va l'évoquer, on va parler de tout ça. Et en fait, on, on est revenu petit à petit en, en raccordant les points sur le fait que euh, aujourd'hui, forcément, après toutes ces années, après le fait que en plus on a un podcast, on a, on a, on a, on a, on a une entité qui parle de jeux vidéo, on vient forcément à intellectualiser le jeu vidéo. Et même avant ça, on était rattaché à l'actualité à la, à du jeu vidéo et que forcément ça jouait sur euh, notre ressenti de joueur. Donc, euh, euh, c'est le sujet qu'on voulait aborder. C'est un sujet qui est directement, du coup, en concordance avec ce dont on évoquait dans la première partie de l'émission. Mais avant de se lancer sur, euh, sur les mauvaises choses, on va se lancer un petit peu sur les bonnes choses, du coup, sur cette époque euh, qui était un peu bénie quand on était gamin et qu'on euh, et et qu jouait aux jeux vidéo. Euh, Guillaume, toi est-ce que tu as des souvenirs précis du coup de trucs que tu comprenais pas quand t'étais gosse ou comment tu vivais le jeu vidéo en fait quand t'étais enfant Est-ce que tu te plongeais à fond dans le truc Comment tu vivais le truc ah. exactement quand tu, quand tu jouais à un jeu et Moi, j'avais ce problème où, où les consoles elles appartenaient à mes frères. Donc du coup, j'avais pas l'occasion mm -hmm. de souvent y jouer. Enfin si, c'est ouais. quand même pas mal. Mais ma première console à moi, c'était la PS2. Donc, du coup, tu vois, il y avait oui. quand même juste avant, c'était beaucoup de partage et de genre, ah, euh, bon. Euh... Donc, pour moi, c'était vraiment un truc. Donc, c'était peu un plaisir solitaire, du coup Non, 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 ça arrivait peu. Mais après, ça m'arrivait ouais. parfois, quand mes frères étaient pas là, de jouer toute la nuit à. Je sais pas, à. Jouer beaucoup à l'erte Rouge quand j'étais petit. Ouais, tu l'avais évoqué dans ta mixtape, mmh. d'ailleurs. Et c'est vrai que, bah, au final, il y a plein de choses que tu ne comprends pas. Et beaucoup de, 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 de double langage, de sous-texte, etc. Et que tu ne comprends pas. Et pour toi, toi je pense que tu as plus le côté euh, objectif, en fait, tu vois. Oui. Plutôt que. Oui, tu n'as pas une analyse claire du truc. C'est vraiment. As, on te donne un objectif, une, un, un moyen d'y arriver, et tu y arrives, tu vois. Et ouais. tu n'as pas ce truc de, euh, bah, de réfléchir sur euh, un média ou réfléchir sur. Euh, sur euh, une narration, etc. Et, et c'est d'autant plus agréable de retourner vers ces jeux-là, tu vois. Et tu, tu, je le vois que souvent, bah, parce que évidemment, sur ce putain de Discord, ils parlent tout le temps de, de Metal Gear. Mais c'est vrai que Metal Gear à l'époque, <laughs> j'étais loin de comprendre, euh, ouais, genre un cinquième, même pas de, même pas 5% de, 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 de ce que ça voulait dire, en fait, tu vois. Pour ouais. moi, c'était juste il fallait se cacher, éviter les méchants, etc. Tu vois Ouais, mais c'est déjà une première lecture qui est intéressante. C'est que, enfin, euh, au final, t'es plongé clairement dans l'objectif et, enfin, euh, tu vis le truc à fond. Ouais. En fait. Tu te poses pas de questions sur à quel endroit est placé tel ennemi. Je pense ouais, que c'est exactement fin... ça. T'as pas de notion de level design, donc tu te dis juste, oui. ah bah c'est mon jeu. J'en aurai pas avant, euh, je sais pas, genre 5, 3 quatre mois. Bah vas-y, il hein, faut le faire, quoi. Tu vois du coup, tu le, tu le rinces et reins, ne tu te poses pas de ouais. questions. Théo, comment tu vivais le truc, toi Waouh Alors, mes mes caméras, filment. on va voir ce que ça donne. Euh, moi, c'est moi, c'est chaud, mec. Euh, L'alcool a détruit ma mémoire, les amis. Il faut faire attention. <laughs> Dédicace à Signia. <laughs> euh, moi, j'ai j'ai été confronté à plein de pas mal de façons. Euh, de, de voir le, le jeu vidéo, mais euh... enfin, nous à la maison on avait la Mega Drive jusque tard. Si tu veux, pour t'aiguiller un petit peu, j'ai un exemple ouais, qui me vient en tête et que forcément, du coup, avec la Mega Drive ça peut, ça, peut, ouais. ça peut te donner quelques idées. Euh, la notion de, du coup, de, de, de scénario, de, de mise en scène, était quasiment ouais. inexistante à l'époque. Ouais, est-ce que, est est que tu, au final, est-ce que tu t'imaginais toi-même les histoires ou est-ce que tu vis, enfin tu traversais le jeu sans, sans trop réfléchir. Moi je sais que c'est un truc qui venait souvent, ouais, c'était que ouais. bah, on me posait un postulat de base, un environnement, et je me faisais des films autour de toute cette histoire. C'est -ce ça. C'est ouais, ça. C'est ça. Ouais non mais t'as tout à fait raison et je pense que justement on peut en parler là, c'est le Street of Rage, ça s'inscrit complètement là-dedans parce qu'aujourd'hui quand tu jouais à Street of Rage ou si tu jouais à un jeu équivalent à Street of Rage. Oui. On a tellement décodé ces codes, je sais pas si ça veut dire quelque chose mais on sait que c'est un jeu qui se repose bah, sur, euh, sur des stéréotypes qui c'est pas négatif mais c'est en gros bah tu as oui. les flics, tu as les méchants, les méchants pourquoi ils sont méchants ouais. On sait pas, ce sont des punks, tu vois. Et quand t'es es petit, tu te dis putain ah ouais en fait tu vois, tu, comme tu dis, tu t'imagines qu'il y a vraiment une vraie justification et que dans la vraie vie, il y a des méchants punks. Pourquoi ils sont méchants, pourquoi ils font ça, oui. pourquoi ils ramassent des bouteilles cassées. C'est méchant, tu vois. Et tu te poses ces questions-là, tu vois. Et, euh, et c'est pareil, dans le, dans le Quake 1, euh, pourquoi euh, les chiens, ils m'attaquent, est-ce euh, qu'il faut tuer les chiens, etc. C'est des trucs qui... ça fend le cœur. Voilà, pour un gosse, un marmot, pas plus haut que trois pommes, tu t'imagines. Mais vas-y. <laughs> Mais en plus il y avait ce truc qui fait que, bah, par exemple, euh, Street of Rage c'est un bon exemple, euh, moi l'histoire de Street of Rage je ne m'y suis jamais vraiment intéressé, je m'y suis intéressé au moment où j'ai dû écrire le bouquin en fait, enfin le peu d'histoire ouais. qu'il y a, et euh, bon celle du 2 est à peu près claire, mais celle du 1 c'est en fait un texte qui tombe au mmh. début dans l'introduction, et en plus c'est en anglais. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, euh, ça ouais. c'était quand même aussi un truc assez important quoi. C'est que du coup, comme les, les, les trucs étaient en anglais, bah très souvent, tu ne comprenais rien parce que déjà, il y avait la phase où tu savais même pas lire, et puis quand tu avais passé la phase où tu savais lire, bah t'avançais pas plus parce ouais. que tu disais des ouais. trucs auxquels tu comprenais que dalle. Donc même si on te donnait un postulat de départ qui était quand même assez léger dans le cas de Street of Rage, on te parle de flics euh, qui ont rendu leur badge, ça c'est un truc par exemple quand tu joues au jeu quand t'es gamin. Enfin même quand tu joues au jeu sans faire gaffe, euh, t'as l'impression que t'es encore dans la police parce que la police est encore là. Ouais, et du coup bah. bah je... Ouais, ouf. littéralement en fait c'est un espèce de c'est du sandbox mental en fait c'est que tu ouais. t'imagines tu, tu une histoire à travers l'histoire ouais. ça c'est vraiment fou et du coup Théo tu racontais que tu, tu... au niveau de l'intelligence artificielle les ennemis qui t'attaquent euh, bah, c'est un peu flou et c'est vrai que c'est quelque chose de flou euh, moi le, le, le souvenir assez marquant que j'ai de cette époque c'est quand je jouais à Mario Kart euh, j'arrivais pas à me dire qu'il y avait des des, des, des des personnages avec moi sur la piste qui étaient programmés par un ordinateur ah, oui. et qui euh, qui bah, fin, le truc t'arrives pas à te dire que c'est pas des vrais gens parce que toi t'es en train de jouer et tu te dis bah forcément <laughs> c'est des autres vrais gens qui jouent avec toi <laughs> et quand je jouais surtout à Mario Kart je pense que c'est parce le que le Xbox Live déjà quoi. ouais c'est ça <laughs> ouais, voilà c'est ça c'est parce que es... dans Mario Kart t'es es, es l'égal de es, de es, euh, de, des autres participants c'est comme dans un jeu de course, par exemple, mais surtout dans Mario Kart parce que voilà, tu fais la course, tout le monde démarre en même voilà, temps et tout riche, le monde. Euh... Oui, <laughs> oui, voilà, c'est ça. Mais, mais tu vois, genre, je, si tu prends des jeux comme Sega Rally, mm. des Tony USA et tout ça, tu sens quand même que, enfin, les, les voitures qui sont là, bon, elles sont un peu là pour faire beau parce que tu les doubles super rapidement. Ouais. Mais dans Mario Kart, il y a une course ouais, qui s'installe, ouais. tu peux finir deuxième, tu vois. Enfin, c'est un peu particulier. Et euh, j'étais persuadé que c'était des vrais joueurs. En fait, c'était des gens qui étaient payés par Nintendo pour wow. contrôler les personnages au moment où moi j'allumais ma console. Et en fait, c'était ah ouais. euh, appuyé dans mon esprit par le fait que tu sais quand tu sélectionnes ton personnage dans Super Mario Kart, c'est dans des petites télé. Et en ouais, fait, ah je sais pas, j'étais persuadé que chacun avait sa petite télé, enfin, c'était vraiment trop bizarre quoi. Assez Et euh, Ouais, c'est clair. Et je sais pas si vous avez eu ce truc aussi. Mais au moment où j'affrontais des boss dans des jeux, j'étais persuadé que si jamais j'y allais un peu trop fort, trop vite, le boss s'énervait. Ah! Wow! Est-ce que c'est ouais. okay, est -ce est un truc que vous avez déjà connu? Ouais, tu, tu, tu te fight contre le boss à un moment, tu te dis, tu ah comprends merde! Pas le côté énervé... strat, euh, ouais. voilà. Tu te dis, j'ai énervé ah ouais, le boss bravail. parce que je suis allé trop vite, euh, je, je l'ai niqué, tu vois, et du coup, le boss il se vénère et il veut me montrer qu'il est plus fort que lui. Alors que non, c'est une wow. putain de série de codes, tu vois. <rire> eh. <rire> et, et tout ça en fait. Euh, c'est des trucs que bah j'ai plus aujourd'hui hein. Texto enfin Je comprends bien que si jamais le boss Il se vénère au bout de la phase 3 C'est parce qu'à partir de la phase 3 il doit s'énerver quoi C'est juste ça ouais, Et du coup il y a un peu ce concept de magie Je sais pas si vous voyez ouais, ce que je veux sûr, dire ouais. Je suis peut-être un grand nostalgique Et que au final voilà. euh, bah, oui Basiquement tu l'interprètes Comme de la magie quoi En fait c'est ouf parce que tu donnes des exemples Hyper pertinents et je me dis Putain euh, ça aurait valu le coup d'y réfléchir ou, ou d'avoir une mémoire, <laughs> tu vois. Non, mais au moins, c'est vrai que je, je vois très bien le genre de truc dont tu parles, mais là, j'arrive pas à mettre la main dessus de mon côté, quoi. Mais c'est hyper intéressant. Mais c'est même au stade où, et là, je vais rebondir, du coup, on va revenir un petit peu sur le, le présent. Euh, dans Plague Tale jeu, euh, euh, jeu qui, 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 qui mène à débat, euh, il y a des points de contrôle assez fréquemment. Je ne sais pas si ouais. vous vous rappelez, littéralement, à chaque début de, dès que tu rencontres des ennemis, tu as un point de contrôle. Et en fait, bah nous, quand on jouait au jeu, euh, ma compagne, elle était un peu en mode Ah euh, oh, bah putain, faut qu'on fasse gaffe et tout, machin. Et encore, elle ne l'avait pas trop, parce qu'elle a déjà aussi un bon passif de, de jeu maintenant. Mais euh, je me rappelle qu'au début, quand tu joué, et moi aussi quand je jouais étant gamin, euh, tu, en fait, tu as la peur du game over mmh. tu as la peur de l'échec. Alors que mmh. c'est un jeu vidéo, hein, c'est fait pour recommencer euh, moult et moult fois. Et ouais. dans Plague Tale, vraiment, c'est un exemple que le, le défaut que ouais. je trouve après à Plague Tale avant tout, c'est que c'est un jeu qui est trop jeu vidéo. Mais bon, enfin, euh, on n'y peut rien. Et euh, tu, tu, tu as des points de contrôle sans arrêt. Et du coup, bah, en fait, tu te mets à tenter. Tu vois, mmh. c'est un truc que j'ai eu au fur et à mesure des années, c'est que je tente. Ouais, bien sûr. C'est que je vais. Euh... Ouais ouais pareil ouais c'est tu, tu, tu sais que ah bah, c'est pas ouais, gravé dans le marbre tu fais genre après. ah là j'ai mal fait euh, genre j'ai perdu genre un, point, un demi point de vie à ce moment là alors que d'habitude je perds rien bon bah tu recommences et ouais. tu sais que de toute façon tu peux tout re refaire rapidement quoi voilà c'est ça là où quand tu joues à un jeu quand t'es pas très expérimenté déjà bah tu prends tout euh, à cœur largement mmh. plus parce que tu, tu vis l'aventure en fait à fond es, tu es le personnage mais euh, en plus de ça, bah, l'échec est super... Euh, super euh... En fait, il n'y pas... a rien qui te fait sortir du jeu parce que ton esprit est conditionné non, pour rester dans le jeu. Et ouais, puis, tu n'as pas la tu logique que je du game design, en fait. C'est un truc voilà. que j'ai remarqué aussi avec ma compagne. C'est que parfois, elle me propose des trucs où je me dis, mais non, mais tu peux pas faire ça. Tu vois Voilà. Non, mais attends, ouais, ouais, tu n'as pas bien regardé. Sûr. Ça se trouve, c'est là-bas. Et toi, tu sais que de toute façon dans un jeu vidéo ils vont pas faire ça comme ça et donc tu fais bah voilà. non non, non c'est pas ça marche pas comme ça tu vois du coup en fait c'est une logique que tu t'acquières euh, qui au final devient inné et enfin devient un oui. truc qui te qui conditionne toute ta condition euh, toute ton ta, ton expérience de jeu parce ouais. qu'au final, mm. tu sais que dans un jeu vidéo, on ne va pas faire que ça comme ça, que de toute façon, il euh, y a des trucs qui ne sont pas réalisables et que d'un point de vue, euh, euh, comment dire, euh, ouais. euh, technique, euh, ouais, voilà, ouais, c'est technologique, on va dire, pas, ça ne marche pas voilà. comme ça, tu vois. Et, et, et voilà. c'est marrant quand tu es avec quelqu'un qui est non-joueur. Qu'ils aient, ouais. qu aient pas ce truc là de, de clic où, où ils se disent Ah, mais non, mais ça, ça, ça peut pas marcher dans un jeu. Tu oui. vois Théo, vas-y. Là, pour le coup, euh, j'ai eu cet exemple hier soir parce que euh, On jouait à Resident Evil 2, le remake, oui. euh, avec euh, ma copine, justement. Et alors, ma copine, elle commence à avoir euh, du bagage, ça se dit ça, mmh, en oui, termes de jeux euh, vidéo, oui. parce qu'elle s'en est comprend, quand même oui. bouffée pas mal. Mais bon, elle a, elle, disons qu'elle est encore. Euh, elle a moins joué que moi, tu vois oui. Et c'est marrant, il y a encore malgré ça, ce... enfin il y a encore ce décalage parfois, c'est qu'elle va me dire, oh t'as pas checké euh, cet objet, et t'es là genre, mais ça c'est pas un objet que tu peux checker, et en fait tu le sais de façon innée <laughs> en fait, ouais, ça, tu exactement. le sais de façon innée. Oui. Et, et, et tu vois je le dis, bon ma copine ne parle pas français donc je peux le dire, mais des fois je me dis waouh mais elle est teubée pourquoi elle me demande ça, et en fait elle est pas teubée, <laughs> c'est juste non. une question d'expérience de, en fait, ouais. tu vois ce que je veux oui, dire? non mais c'est c'est totalement ça et c'est vrai que euh, mais, mais c'est vrai que c'est le meilleur exemple en fait c'est de jouer avec quelqu'un qui mais es, c'est important ce que tu dis aussi Théo c'est qu'il y a une question de bagage et c'est vrai que je sais que ta, ta copine a énormément joué à pas mal de jeux elle a, elle a poncé des, des, des Mario des Zelda des, des, ouais. des jeux indé des que sais-je mais elle n'a pas poncé poncé <rire> <rire> elle s'est elle s'est elle s'est mangé il faut le il faut le remarquer elle s'est mangée comment il s'appelle ce jeu là tu dois jouer en rythme Crypt of the Necrodemons Ah Iron euh, elle s'est faite Cadence of Hyrule en jouant euh... sans le son, s'il vous plaît. Donc, <laughs> sans soi, c'est déjà une performance. Juste en regardant le, <laughs> le truc de rythme en bas, là. Voilà. Putain. Elle voulait écouter ses podcasts qu'elle écoute tout le temps, et, et du coup, elle a coupé le son, et ça l'a saoulé de devoir s'impliquer dans la musique. Comme quoi, euh, c'est subjectif. Hein. Après, je tiens à préciser que, quand même, elle vit avec quelqu'un qui joue à Forza au clavier. Je... C est... C est... C est... <laughs> Alors mais attends j'en place une. Je l'ai jamais dit en podcast je pense j'ai fini Céleste enfin le jeu de base dans une version craquée où il n'y avait pas de musique donc tout le jeu était silencieux voilà je le dis dans le podcast oh je mon pense Dieu. que je vais faire insulter d'Hérétique de... ça doit être austère au possible ouais c'est <laughs> ah, bien quand même Parce que tout le monde se branle sur les musiques le mec il dit non moi j'ai joue sans <laughs> musique m'en fous non j'ai une version ah, craquée, un j'ai pas glitch. les musiques et je m'en bats ah, les couilles. Voilà. Le jeu est à 3 balles, il est <laughs> offert sur le Epic Game Store, je m'en bats les couilles. Je veux le craquer. Ah, c'était il y a un moment, <laughs> il n'était pas encore offert. Ouais. <laughs> Mais euh, ouais, du coup, Théo, as raison de parler de bagages et tout ça, parce que moi aussi, du coup, maintenant, depuis le temps, je l'évoquais mille fois dans les podcasts, je joue avec ma femme. Euh, D'ailleurs, à chaque fois, à chaque fin de podcast, parce qu'elle m'écoute. Euh, euh, non loin d'ici, elle me dit Ouais, t'as encore dit que j'étais une néophyte alors que bon, j'ai quand même fini ça, 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 ça fait des années euh. qu'on joue, c'est vrai, <laughs> je suis totalement d'accord avec ça. Mais la nuance <laughs> est là, en fait. La nuance est là, c'est que ces automatismes que t'attrapes, tu mets du temps à les attraper, en fait. Ça Moi, personnellement, j'ai des souvenirs de jeux qui remontent à, pff, je dirais, 2009, 2010. Euh, j'étais pas encore dans ce mode euh, ah bah. euh, par exemple il euh, euh, y a pas longtemps il y, bon, y a un an de ça maintenant quand on était au concert euh, de Yuzo Koshiro euh, je parlais avec euh, ce cher euh, Monique du que vous connaissez peut-être euh, euh, Guillaume météo oui oui ouais, bien sûr hein, ouais. sur le sur le Discord de Mirogezu et il me disait ouais mais Bayonetta il m'a saoulé de ouf parce que il y a des QTE euh, qui sont super punitifs machin machin tu vois et euh, moi, sur le coup, euh, j'y avais joué du coup à sa sortie, Day One, j'avais rien remarqué du tout. Et j'ai rejoué au jeu il n'y a pas longtemps, et là, j'étais en train de le, 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 le dépecer, le jeu en fait. J'étais en train d'y ouais. jouer, et je me disais, ouais, il y a ça là, il y a ouais. ça là, ouais, c'est vrai qu'il y a des QTE qui sont punitifs, ouais, machin. Et au final, bah, je le kiffe encore de toute mon âme, mais ce n'était pas pareil. Et l'expérience que j'ai vécue à l'époque, j'ai l'impression que je ne pourrais jamais ouais, la revivre. Donc, c'est un truc qui est vraiment arrivé sur le tard. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais, Théo, avec les automatismes, etc. C'est vrai que des fois, quand on joue à deux, du coup, il y a ma femme, elle me dit, mais putain, enfin, t'es méga malin, tu réfléchis super vite. Alors qu'en fait, non, je suis pas, je suis pas malin. <laughs> c'est juste que, <laughs> c'est juste les que j'ai joué à beaucoup de <laughs> jeux. <laughs> et du coup, bah, je sais à quel moment un truc est important et un truc ne l'est pas. Tu vois je sais euh, surtout quand je joue à Plague Tale, ouais. que qu'il faut faire ouais, ci, ça, vrai. ça, ça et ça ouais. parce que je l'ai fait sur 300 et jeux avant. Ça, en fait, et tu je vois pense que c'est pour ça que plein de gens sont aussi euh, impressionnés par Breath of the Wild parce que Breath of the Wild justement se joue de ces codes là et te permet de, 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 de voir le jeu de différents angles et de pas trop d'un angle jeu vidéo, parfois d'un angle juste physique. Ou d'un angle euh ah, physique, ouais. logique, tu La vois. Physique. Et, ouais. et c'est oui. ça qui est, assez, qui, est, qui est assez dingue dans, dans le jeu vidéo. Je le, je le disais beaucoup dans ma mixtape, mais c est, c est, moi, c'est ce qui a conditionné toute ma vie de joueur. C'était les jeux où tu te dis, oh putain, je peux faire ça dans le jeu. Et, et, ouais. et, au, et au final, tu l'as de moins en moins parce qu'au final, bah, tu sais à peu près tout ce que tu peux faire dans un jeu vidéo. Et dès lors que le jeu vidéo oui. te dit te dis pas mais tu découvres par toi-même en disant ah putain mais je peux faire ça c'est trop cool ça ça me fait penser justement euh, c'est justement un des principes que j'aime bien dans ce qu'on appelle les immersives sims n'est-ce pas ouais. et justement que j'ai aussi et du coup je fais le lien avec le prey que j'avais vraiment kiffé le dernier et justement euh, on, on en parlait au début du podcast dans contrôle t'as aussi ce truc là par un moment où tu vas pouvoir en fait trouver des, des secrets cachés à des endroits où tu te dis ah, ils ont pensé à le mettre là en fait. Mmh. Genre vraiment, t'as l'impression d'être sorti du décor. Ou, ouais. Tu vois, c'est typiquement des trucs genre des faux plafonds euh, bizarres euh, que t'as l'impression que tu fais glitcher le jeu. Et ça, t'avais ça dans Prey aussi. Et, et c'est ça que j'aime bien dans, dans le genre Immersive Sims. Et que tu retrouves aussi dans Breath of the Wild justement, où on te laisse des outils pour euh, résoudre et... des, des, des problèmes. Non, mais surtout, moi, c'est ça que j'apprécie dans ces jeux-là, c'est le jeu récompense ta curiosité. Voilà, c'est ça aussi. C'est ouais. que même si c'est une, une pauvre noix Korugu, bah, tu t'es dit, tiens, je vais aller voir oui. ce qu'il y a là-bas, tu tombes sur quelque chose. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant dans un jeu vidéo quand tu te fais chier aller à un endroit. Et que tu t'imagines tu, tu, quand t'étais petit, tu vois, tu t'imagines plein de trucs, tu te dis attends mais ça se trouve il y a un, un monde spécial ou euh, genre euh, je vais débloquer ça ou des trucs comme ça et puis au final tu arrives et il n'y a rien, oui. tu vois. Oui c'est vrai que c'est... Ouais, du coup euh, c'est ce dont je parlais tout à l'heure aussi, c'est le, le trop plein d'informations qui fait que euh, on avait parlé à une époque dans un podcast, je, je pourrais pas vous dire lequel, mais des légendes urbaines dans le jeu vidéo. Ouais. Et c'est vrai que le, ah le oui, trop est plein d'informations, on, on, est, on, est, on ne peut plus renseigner sur les jeux. Euh, déjà, d'une part, comme tu le dis Guillaume, sur les secrets et tout machin, très vite, en fait, on, on sait, tu vois, par exemple, là, exemple tout con, euh, c'est débile comme exemple. Mais il y a, y a Sonic qui est dans Super Monkey Ball, qui sort dans, euh, dans quelques jours, là, je suis trop content. Euh, J'aurais trop aimé le découvrir par moi-même, tu vois. <laughs> Mais le truc, c'est que, enfin, on, ouais, on délivre tout directement, et donc du coup, c'est vrai que... Ouais. c'est ah, c'est un moyen de communiquer. Voilà, et tu ne et tu, 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 tu sais pas à quel moment tu es arrivé au bout de ton jeu, tu sais pas à quel moment il réserve des surprises. Alors, il y a encore quelques jeux qui arrivent à bien cacher des trucs et les garder secrets, et au final, tu découvres une news, euh, vidéo.com trois mois après la sortie. Mm. Ouais, Intel a trouvé ça, donc tu dis, ouais, c'est un truc de ouf et tout. Mais c'est vrai que c'est quand même de plus en plus rare. Ouais. Et sur le point de euh, de, de, de l'information, euh, je voulais aussi évoquer, encore une fois, désolé Guillaume. Euh, Metal Gear Solid 5, qui Mais c'est parce que c'est un bon exemple. Oui. Kojima, il joue vachement là-dessus justement. C'est Sur ce vrai truc que... où on découvre des secrets bien longtemps après. Voilà. Mais en fait, le Metal Gear Solid 5 est vraiment un double tranchant parce que d'un côté, on découvre les trucs bien longtemps après, et comme on sait que c'est Kojima, on se dit ouais, il y a encore des trucs qui sont cachés. On n'est jamais convaincu que c'est terminé. C'était la fameuse, mmh. euh, la fameuse obsession du chapitre 3 que les gens ont eu à l'époque. Mais au-delà de ça. On était au courant de ce qui se passait chez Konami pendant que le jeu était en développement, et je sais pas, ça, vrai, je ouais. sais pas toi, Théo, du coup, mais quand je faisais le jeu, ouais. ben bah, j'avais ça en tâche de fond en fait dans mon esprit, tu vois. Et ah je oui, disais, de ouf. Ouais, de ouf. Faut faire gaffe à l'heure d'internet, faut faire gaffe en fait. On est, on est, l'être humain n'est peut-être pas conçu pour être en permanence connecté, et il faut vraiment que chacun sache se, se gérer selon ses besoins, selon sa période, etc. Et à tous les niveaux, tu vois. Par exemple, euh, là, ce dont tu parles, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que est-ce que on va pas finalement être gavé par les jeux vidéo, euh, par certains types de jeux vidéo, parce que on nous spam, euh, tout le monde en parle, etc., etc. Et au final, tu fais une sorte de surplus, euh, ça surchauffe dans la tête, etc. C'est des infos parfois dont on pourrait se passer pour juste prendre plaisir avec ah, le sûr. jeu et justement ça c'est une réflexion globale que j'ai sur internet juste euh, voilà c'est enfin, c'est basique hein, ce que je dis mais ce que je veux dire c'est que tu as autant de, de trucs excellents sur internet tu peux passer des super moments mais en même temps des fois bah pff, ça ça va te dégrader ta vie réelle en fait tu vois par exemple bon bah pour le cas de la tâche de fond euh, euh, dont tu parlais euh, Ken de penser à Kojima ça, à la limite, ça fait partie de la légende et du mythe et tout. Et oui. pourquoi pas, tu vois. Reste que ça ouais, t'empêche... Comme sur Apocalypse Now, par exemple. C'est-à-dire... Bah, sur Apocalypse Now, tu sais ce, Les que, cadavres. ce que Coppola a vécu. Enfin, qu'il est devenu fou à la fin, ruiné à cause du film, etc. Et ça con, ça, ça constitue un truc qui te permet aussi de... La... Je sais pas, qui donne une espèce, comme tu dis, une légende. Et que moi, je trouve qui qu est assez, qu assez cool, qui est assez intéressante. Dans ce cas-là, cas je suis d'accord avec toi, mais dans d'autres cas, genre par exemple, si tu vas. Bah, L'exemple le plus basique, c'est les spoils. Quoi. Moi, typiquement, j'ai arrêté de suivre quoi que ce soit à propos de Death Stranding mmh. parce que j'en avais mal oui. le bol. Euh, non, pas que tout le monde en parle, c'est bien que ça crée de la hype et tout, mais. Mais vraiment euh, que le mec il commence à nous balancer des 40 minutes de gameplay, tu dis putain mais, mais... quand j'ai découvert MGS 1 euh, c'était juste ouais. mon voisin qui m'avait passé un CD et je me disais je sais pas ce que c'est ce truc de merde et je mmh. me suis tout pris euh... bon j'étais petit mais euh, ce que je veux dire ouais, c'est ouais, que ouais, voilà euh, je me suis quand même pris le truc dans la tête quoi. Justement c'est ce que j'allais dire quand tu parlais du fait de se déconnecter et de pas trop s'intéresser. Je pense que c'est quelque chose que fait très bien Rockstar par exemple. Et de, de peu communiquer sur un jeu vidéo Et de, de, de rester sur le truc en se disant De toute façon la hype va faire son travail Et, et voilà. je pense que Par euh... exemple le de Death Stranding Va répondre à pas mal de questions là dessus Sur est-ce que la hype Est vraiment euh, Toujours payante et surtout Est-ce que, est que la sur euh, La surcommunication Sur un jeu elle, elle, Est-ce que ça veut forcément dire spoil Parce que Pareil, je pensais la même chose que toi quand je voyais qui balançait des 40 minutes de gameplay, je me disais putain, mais il va, il, en fait, il a peur de pas le vendre son jeu, mais <laughs> il cache beaucoup plus de trucs que, que ce qu'on veut bien croire et que ce que Ideo veut bien nous montrer. Mais ouais, avec Death Stranding, le truc c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on. Enfin, C'est peut-être accorder du crédit à Kojima, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas tout vu du jeu et qu'il montre ce qu'il veut montrer au final, comme il l'avait fait avec ouais Metal bah, Gear Solid. 5. Je pense qu'on l'avait bien vu avec MGS5, <laughs> ouais. enfin, vous en parlez mieux que moi là-dessus. Je suis désolé les gars, mais je trouve qu'on ne l'avait pas bien vu avec MGS5 puisque je considère. On en parlait la dernière fois déjà, moi c'est le contenu dont oui. j'ai pas envie d'être spoilé. Et moi, une fois que tu m'as montré une cinématique, l'existence d'une cinématique. Euh, l'existence d'un contexte avec ces personnages à ce mmh. moment-là à cet ouais. endroit-là oui. j'ai l'impression que c'est défloré daccord moi j'ai perdu beaucoup d'intérêt après plusieurs euh, plusieurs trailers où j'étais là genre euh... oui c'est ça ouais c'est pour ça que très vite t'as plus envie de as plus envie de regarder mais euh... mais, mais... l'exemple de Rockstar que je te donné tout à l'heure Guillaume vite fait pour euh, encore euh, relancer de l'huile sur euh, de, de vieux feux euh, c'est vrai que tu as raison avec Rockstar, le fait qu'ils dévoilent très peu du jeu, etc. Et ça, c'est génial. C'est vrai que tu as, as un gros, gros, gros plaisir de découverte sur. Euh, je l'ai eu sur euh, Red Dead Redemption 2, par exemple. Mais là où euh, le jeu, au final, il a quand même réussi à me sortir, c'est que très vite, ça revient à un jeu vidéo. Tu vois Ouais, bien sûr. Bah, et c'est ça, mm. ça le truc. Et euh, t'as donné tout à l'heure l'exemple de Zelda Breath of the Wild qui t'avait un petit peu sorti de tout ça, au final, et qui avait arrêté de faire en sorte que tu te questionnes. Euh, moi, je pense que le jeu qui m'a le plus provoqué ça euh, dernièrement, c'est euh, Super Mario Odyssey. C'est vraiment le jeu où, euh, ah ouais, ouais. c'est euh, en fait, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi, parce que oui, mine de rien, j'intellectualisais un petit peu. Hein, je jouais au jeu machin, je me disais euh, bon bah voilà, c'est plein de petites lunes parce que il faut euh, il faut il faut faire des petites sessions. Forcément, quand on en parle aussi dans les podcasts, forcément, il faut que je me questionne sur le jeu. Mais je, l'expérience globale que j'en ai c'est que j'ai vécu un espèce de grand rêve pendant que je joue au jeu mmh. euh, que euh, j'ai pas ou peu été spoilé à la différence de Théo et <laughs> et, ouais, et oh, du coup euh, je enfin euh, j'étais comme un gosse vraiment c'était génial ouais. ça m'a fait trop de bien c'est que il la... est extraordinaire ce jeu ouais, non, mais... il non non ouf. je suis d'accord ouais il est et, et quand ouais. je le rallume euh, bon, le, le, la magie est passée un petit peu. Tu vois, je le rallume je, parce que je suis voilà, content. Enfin, ouais. je connais comment fonctionne le jeu, mais quand j'étais en plein dedans, que je mmh. me tapais les mondes les uns après les autres et que je savais pas ce qui mmh. allait avoir après parce exact. que j'avais rien vu du tout du jeu euh, et que les gens ils en parlaient vite fait, mais j'esquivais et tout machin. J'étais vraiment dans mon dans mon délire. Et euh, j'ai passé un moment. La, la fin du jeu, la toute fin du jeu, je la spoilerai pas parce que j'espère que des gens oh, vont euh, ouais. euh, n'ont pas encore fait le jeu et vont vivre ce que j'ai vécu mm. dessus. Mais la toute fin du jeu, je l'ai je l'ai pas fait dans des conditions de ouf. Enfin, j'étais sur, sur portable, euh, j'étais sur le canap, euh, la télé était prise. Enfin, j'étais pas dans mon monde. J'étais en train de jouer au jeu tranquille. Mais d'un coup, j'étais là, je suis resté comme ça. et Je me suis dit waouh, j'étais comme un comme un gosse. Mm. Et c'était génial. Et c'est d'autant plus génial que ça vienne de Nintendo, que j'ai trop souvent reproché d'être beaucoup trop, enfin, euh, euh, classique. Et malgré mmh. tout, là, ils ont réussi à, ouais. me, à me sortir de, de ça, quoi. Je sais pas s'il y a d'autres jeux qui vous viennent à l'esprit, qui vous ont vraiment sorti moi, comme moi, ça. Moi, c'est vraiment un bon exemple. Moi, je trouve que c'est un super bon exemple Mario. Ouais. Un super bon exemple, ouais, c'est clair. C'est vraiment euh... un jeu doux, tu vois, qui te, qui te qui te qui te prend dans les bras et qui te dit non mais t'inquiète viens, ouais. oui, ouais. viens, ouais. viens on va s'amuser oui c'est ça c'est vraiment viens on va s'amuser tu t'en fous mais vas-y allez vas-y viens on s'en fout viens ouais <laughs> c'est ça en fait tu vois Ken l'a bien souligné, par contre, le problème de ce Mario, malheureusement, de, dans sa façon d'être construit, dans sa structure, dans sa façon de, de créer du challenge parfois qui n'est pas aussi présent qu'on le voudrait, eh bien, en fait, la rejouabilité du Odyssey, moi, je pense qu'elle n'est pas terrible, malheureusement. Ouais. Et justement, ça restera une sorte de trip qu'on a ouais, eue mais... au milieu de l'hiver. C'était sorti en décembre, c'est ça Ouais, mais fin, enfin, fin octobre, ouais. Moi, honnêtement, la rejouabilité, je l'ai sur aucun jeu, presque. Ah bah... tu vois genre à part des jeux que j'ai oublié comme oui. Zelda Breath of the Wild il euh, y a peu de jeux à part pour faire découvrir comme Last of Us mais sinon des jeux je rejoue jamais je rejoue presque Mass Effect ouais, je mais... peux passer des heures à te parler de Mass Effect mais jamais je vais le relancer si tu veux moi tu parles à quelqu'un qui a sur la chaîne Twitch Merguezu, a fait un speedrun Mario 64! <laughs> Et moi, c'est un jeu que je peux recommencer ad vitam eternam euh, Mario 64. Je pense que Sunshine, c'est pareil, Ken. Euh, euh... C'est un jeu qui. qui... T'as envie de le recommencer, ouais. non? T'as un challenge, as, tu le prends en main, tu vois. Alors que là, dans Odyssée pour avoir essayé, je ça, sais ça pourquoi pas, tu toi as toi. du mal avec Odyssey, ouais. c'est parce que le jeu est très dense. C'est euh, un truc que t'as pas sur. Parce qu'en fait, euh, 64 et Sunshine, j'ai pas joué au galaxy mais 64 et Sunshine sont extrêmement, au final, pas segmentés, mais presque. Tu vas dans un monde, t'as 7 étoiles, euh, soleil, etc. C'est très ouais. segmenté, tu vois, ouais. chaque truc est machin. Dans Mario Odyssey, ça va très vite, en fait. Et du coup, t'es es, es pris en ah permanence ouais. dans un espèce de roller coaster qui s'arrête pas, et euh, tu débloques des trucs, et étaient dans ton délire et tout, machin. Et c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire, c'est soit tu le reprends entièrement et tu revis le jeu mais tu sais que tu vas pas revivre le même trip ouais. soit quand tu le rallumes bah tu te dis un peu bon bah ouais. qu'est-ce que je fais machin et tout tu te balades non mais et c'est surtout aussi qu'il y a des étoiles qui ne demandent pas de challenge il faut juste euh, les oui. découvrir en fait et une fois que tu le sais bah, la magie de la découverte oui, est es passée après il euh, y en a tellement que Odissée. je pense la moitié je m'en rappelle pas ouais c'est ça aussi mais, le truc mais et ouais, honnêtement moi il y a un truc que que je trouve qui est vraiment réussi dans Mario Odyssey c'est qu'il y a comment dire aujourd'hui les jeux vidéo il y a toujours ce truc où, en tout cas, moi, ça me le fait, euh, de collectionniste. Oui. Et encore, je ne l'ai pas aussi grave que toi, Ken. Oui. Mais ce truc, par exemple, tu vois, je m'en suis rendu compte quand j'ai refait euh, euh, Lost Legacy avec ma compagne. Ouais. C'est qu'à un moment, je ne voulais pas la faire chier à chercher toutes les petites reliques, etc. Ouais. Tu vois mais même mon cerveau était là, genre, allez, allez, oui. allez, tu vois Et et au final à un moment j'ai au tout début j'ai commencé à faire ça et tu sais je voyais je me disais oh, en fait il est pas si cool que ça et tout je me fais un peu chier et puis ça me saoule à chaque fois et tout ça et au moment où je me suis dit bon on arrête de chercher ouais. les trucs on... juste on profite du jeu comme tel euh... j'ai j'ai eu ce truc où euh... Où en fait j'ai juste profité le jeu comme comme il a été pensé oui. et pas comme euh, j'avais envie d'y jouer tu vois ce que je veux oui, dire oui, je vois et je pense que Mario ouais, Mario joue, Mario, ouais. Mario Odyssey il y a ce truc là où au final As pas as pas tu ressens pas forcément ce besoin d'aller chercher la petite lune cachée ouais euh, ouais parce que le jeu il te en permet fait, de progresser le jeu bien, te ouais. récompense tout le temps ouais. te récompense tout le temps et donc du coup tu as, tu as, as, as jamais de frustration et es tout le temps à te dire tiens ah oh bah tiens il y a quoi là ah oh bah tiens une lune ah oh bah il faudrait peut-être que j'essaye d'avoir cette lune là et t'as pas ce truc où euh, où euh, tu dois aller chercher dans le moindre recoin ouais, pour ouais. trouver un pauvre truc qui sert à rien en plus tu vois et, et je pense qu'il y a, il y a il, honnêtement il y a, il y a ce truc là et, et quand tu justement quand tu, tu te mets à jouer avec quelqu'un qui ne joue pas donc qui est spectateur oui. t'as quand même ce besoin aussi de euh, entre guillemets de l'entertain oui tu vois, parce que moi je sais que ma copine elle s'endort très facilement. Mmh. Donc, du coup, si elle se fait chier, ouais. elle s'endort. Et donc, ouais. moi je suis obligé d'arrêter de jouer parce que j'ai pas envie non plus d'avancer de, de, sans elle. Donc, du coup, tu es obligé d'essayer de, de, ouais. de, la, de, la, de la garder focus sur le jeu, tu vois. Et, et donc, du coup, tu te forces à pas chercher les petits trucs. Et c'est là que tu commences au final à prendre plaisir à juste jouer au jeu tel qu'il a été pensé pour un joueur moyen. N'a pas besoin d'aller récupérer euh, la moindre relique de merde qui ne servira absolument à rien, ouais, enfin. ouais c'est ça, ouais. Mais bah ça, franchement, c'est bien que tu le dises parce que malheureusement, euh, j'ai développé ce problème récemment au contact aussi de ma... de ma copine. Elle a commencé à être de plus en plus complétionniste, et c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont conçus pour Ken. À chaque fois, j'y repense euh, à Yakuza Zero que tu avais euh, platiné de chez Platiné. Moi, je trouve que c'est des jeux qui sont, je me verrais peut-être jouer un Yakuza sans essayer de, le, de faire toutes les quêtes euh, tu vois c'est bizarre de... mais ça fait un peu partie de Yakuza tu vois ce que je veux dire bah ok moi, moi les gars j'ai joué j'ai fait Yakuza 0 euh, pas à fond mais j'ai quand même joué pas mal de side quests etc euh, après j'ai fait ouais. Yakuza 1 et je me suis dit ah oh, putain c'est le même jeu ouais. je vais juste faire le scénario et bah j'ai kiffé autant honnêtement hein. ouais ouais et, ouais, je, non, me suis, et voilà. je me suis moins pris la tête sur le truc et j'étais plus genre en mode on avance on avance on continue et et, mais c'est vrai que ça m'a flingué le 2, ouais, moi déjà, parce que même là, je l'ai relancé en me disant, bon, bah, faut peut-être que je le finisse. Et bah, tiens, comme par hasard, le seul moment mais, où j'ai avancé dans l'histoire, c'est sur Twitch. Mais sinon, je pas... Mais avancé. dans ces moments-là, vraiment, dans ces moments-là, je pense à toi, Ken, <laughs> et je me suis dit, mais, mais quelle vie de merde d'essayer d'avoir un trophée platine sur un jeu. Honnêtement, non, mais... je me dis, mais c'est vraiment C'est triste, parce que, parce que pour ma part, je parle vraiment, moi, en tant que mon expérience de jeu, après 50 heures sur un jeu, je me fais chier. Bah, en j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de jouer à autre le chose. Le cas Yakuza est très particulier parce que, en fait, ouais. si tu veux, le jeu, moi, la première fois, Yakuza Zero, je ne connaissais pas la série, j'y ai joué comme le jeu me, me demandait d'y jouer, quoi. ni plus ni moins. Ouais. Euh, ouais. Et, et en fait, il s'avère que bah, je l'ai fini. Euh, malgré tout à un moment et qu'il me restait pas mal de trucs à faire et je me suis dit oh là putain le jeu je le kiffe encore trop j'ai envie d'y jouer plus que, que ce qui que ce qui que, que ce qui m'offre ouais dans, que dans de la raisons. principale. Donc ouais, je l'ai fait à 100 je l'ai refait une deuxième fois juste pour avoir les trophées et finir le jeu en légende là et euh, j'ai kiffé de A à Z, il y a pas photo. Mais c'est vrai que la situation qui m'est arrivée sur Yakuza 0, c'est désagrégé sur Kiwami parce que du coup, j'ai déjà fait ma première partie en pensant euh, ah bah vas-y, fais tout ça comme ça, t'auras pu à le faire plus tard, genre fais le majong, etc. Voilà, Et ouais. Yakuza Kiwami 2, c'est ouais, pire que ouais. tout. C'est que là, euh, en plus de, 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 de l'affect un peu compliqué que j'ai avec le jeu, euh, tout le temps je me dis, bon bah vas-y, euh, va te casser le cul à faire du baseball pendant deux heures, parce que comme ça t'auras pu à le faire. Et d'un jeu que je trouve déjà pas très agréable, il devient totalement désagréable. Donc ouais, c'est relou. Ouais. Et c'est un truc qui m'est venu avec, euh, avec les succès au final. Euh. Quand j'ai commencé à avoir la 36 mmh. parce que c'est vrai qu'avant même sur Gamecube, ouais, ouais c'est sur Gamecube j'ai plein de jeux, j'y ai passé des, des, des heures et des heures, Winwaker, j'y ai passé un temps fou à chercher le moindre détail etc. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais pas l'obsession du 100%, je m'en foutais. Euh, mais c'est vrai ouais, que c'était juste par plaisir, ouais, ouais, comme comme moi quand j'étais petit avec mes frères on jouait à GTA ouais. et genre les GTA t'essayais de trouver le moindre petit secret à la con, yes. le moindre petit Easter egg. Et, mais c'était pas ouais, c'était pas dans un dans un but de d'accomplir de, un truc oui. et de recevoir euh, euh, une médaille euh, virtuelle c'était vraiment dans le truc parce que ah le jeu est trop bien j'adore ce jeu et je veux continuer l'expérience après très honnêtement quand il y a un jeu qui me fait chier je vais pas m'amuser à faire je le faisais à une époque hein, très fin... Sur 360, un jeu pouvait être casse-couille au possible. Euh, L'exemple que j'ai en tête, je ne sais pas si je l'avais déjà évoqué dans le podcast, mais c'était un jeu qui s'appelait Yaris. C'était un jeu gratos, c'était un, une publicité pour la Toyota Yaris en fait. Le jeu était une merde sans nom, mais à un point inimaginable. Euh, je me suis cassé le cul à avoir les 200 points G dessus, au point que j'étais premier mondial sur le jeu. Tu vois un peu, peu de gens se sont cassés le cul comme moi, je me suis cassé le cul sur ce jeu. C'était une corvée, vraiment et euh, <laughs> à un moment je me là en, en vieillissant un peu je me suis dit bon stop et maintenant je pense ponce que les jeux que je kiffe comme bah... un malade genre Cuphead que j'ai fait aussi deux fois machin et tout mais euh, ouais je vois ce est-ce que, que tu, que veux tu, tu dire. prends autant de plaisir honnêtement euh, alors sur les jeux euh, que je kiffe ouais genre sur Cuphead Putain, le faire deux fois à 100%, machin et tout j'ai kiffé comme un malade parce qu'en fait mm. j'ai besoin tu vois le jeu euh, mais le truc, c'est que c'est un plaisir différent parce que, comme tu le disais à l'époque, je savais, j'avais pas, j'avais pas de, pas de voilà. guide, tu vois, j'avais pas une liste de succès oui. ou de trophées qui me disait, bon bah là, tu vas arriver à, à terme. Donc du coup, bah tu cherches un peu, tu continues jusqu'à ce que ouais. ça te laisse. Et surtout, tu vas aussi faire ça. des trucs. Tu vas te fixer toi-même des objectifs, tu vois. Et ça, c'est important, ouais. c'est que tu vas te fixer ouais. des objectifs qui sont parfois complètement stupides, mais qui t'amusent en fait. Et ça, ah, tu, ça tu le fais énormément quand t'es gamin. Et c'est vrai que l'arrivée des ouais, succès déjà d'une part, ouais. ça, ça a balisé un petit peu ton, 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 ton fonctionnement, ton, 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 ton déroulement du jeu. Et euh, justement Mario, enfin, on critique des fois j'ai des gens qui critiquent un peu la Switch. Je, je les entends en dire ouais bah la Switch ça casse les couilles, y a pas de succès, ça existe. Je l'entendais beaucoup quand je travaillais à Micromania, mais force est de constater. C'est vrai en plus, Mario Odyssey. Le pire, c'est qu'il a des succès, mais il file la liste des succès quand tu fini le jeu. En fait, et euh, Mario Odyssey, je me suis amusé à faire plein de trucs à la con parce que c'était ah, bah. bah, Parce ouais, que t'avais envie de le faire, mais c'est que... et, et on repart sur GTA. GTA mmh. était très bon pour ça où tu te donnais des objectifs. Ou je sais pas, tu te disais un truc à la con. Ok, je prends un hélicoptère, je vole au-dessus de la base euh, militaire, je me parachute et j'essaye de voler un, un avion de chasse ou des trucs comme ouais, ça, tu ouf. vois. De, où de Même dans mmh. le premier, je me rappelle avec mon frère, on essayait d'aller voler le tank, etc. Et, et, euh, et c'est vrai que tu te rends compte qu'aujourd'hui, t'as moins ça. Tu vois, par exemple, un truc à la con, mais qui, qui, qui me ramène euh, un peu en arrière. La dernière fois, quand j'ai ref... refait FF8 et FF10, et en fait, tu te rends compte que c'est d'autant plus relou dans FF8 et FF10, c'est qu'il y a des trucs où tu peux pas revenir en arrière. Donc du coup, par exemple pour euh, euh, le triade de FF8, c'est là où je me suis rendu compte bah, où j'ai arrêté de jouer au jeu parce que au final tu te rends compte que tu es tout le temps sur la soluce à te dire attends est-ce que je vais pas louper une carte là Est-ce ouais. que euh, est-ce que y a pas un Et et, et, euh, et pareil pour FF10 où au final tu te dis attends mais là si je loupe ce truc là je peux pas améliorer mes armes donc du coup je peux pas augmenter mon truc et je suis obligé de tout recommencer. Et, euh, et c'est au final, c'est le ce genre de truc qui, qui, qui te bouffe l'expérience d'un jeu. En Après, c'est vrai que ça fait partie d'un certain kiff, mais ça peut avoir des effets très pervers. Après, c'est ça, il faut savoir se gérer euh, chacun de nous, en fait. Il faut se dire euh, quel jeu mérite d'être traversé pour, juste pour le plaisir ouais. de l'histoire voilà, de, de principale. Et, et quel jeu j'ai envie de, de fouiller, parce qu'il y a des jeux qui ne révèlent leur potentiel. Parfois, c'est peut-être le cas aussi de Cuphead, c'est peut-être le cas de, de différents jeux. Il y a des jeux qui révèlent leur, un meilleur potentiel quand ils jouent en hard ou quand ils jouent en, euh, en essayant de tout collecter ou en essayant de tout lire, tu vois. Par exemple, Quantum Break, euh, je ne l'ai pas encore fini, donc je n'ai pas d'avis définitif dessus, mais c'est vrai que là, j'essaye de lire tous les documents qu'il y a. Et c'est vrai qu'il y a des documents, parfois, c'est un peu redondant. Par contre, il y a aussi des documents, putain, il y a un mec qui écrit des scénarios dans le jeu et ces scénarios, ils sont juste trop marrants et, et tu prends un vrai plaisir à les lire et ça apporte quelque chose, tu vois. Et euh... donc voilà, après chacun doit se positionner en fait selon le jeu et selon l'humeur du moment sûr. et selon euh, voilà ce qu'on cherche dans les mais, jeux. Quoi. Mais, mais je... Et c'est pas évident, c'est pas évident parfois de se dire euh, quand on est dans un dans une démarche complétionniste dans une période complétionniste c'est pas évident de se dire tiens je vais refaire ce jeu un peu à l'arrache. Ouais. Tu vois même dans Uncharted 1 c'est paradoxal mais comme tu parlais de Lost Legacy dans Uncharted 1 quand je l'ai fait je cherchais tous les trésors ouais, bah et ouais. quand à la fin j'en ai eu que 43 sur 60 ça me foutait. Ouais, le bah ouais, mais c'est ça mais c'est ça qui est horrible je suis d'accord avec toi et j'avais vraiment ce truc où t'es là genre ah oh, c'est débile ouais. putain j'ai loupé j'ai loupé des trésors. Tu vois Et puis euh, tu bah ouais, arrives mentalement à te pousser à te dire mais en fait tu t'en bats les couilles de ces trésors parce qu'ils ne t'apportent absolument ouais. rien. C'est ouais. juste une vieille modélisation 3D, tu peux tourner autour. Il y, euh, y a genre deux ça. mots, enfin deux lignes sur le truc et c'est tout ce qu'il ouais. y a. Mais, en fait, ce qui... Et en plus ça te nique le rythme du jeu, jeux... ça te nique complètement. Oui, oui, totalement. Le ouais, du jeu. Ouais, ça, vrai ça c'est vrai. Après il y a des jeux qui montrent un potentiel différent quand tu commences à essayer de les completionner ou ouais, peu importe sûr. quoi ouais, tu vois c est c est -à dire vrai. que et Ken tu nous demandais des, des jeux qui nous avaient euh, justement on avait perdu cet effet là de, 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 de trop euh, systématiser le jeu et de trop essayer de le décortiquer etc ouais. et ben bah, moi ça m'a fait ça sur banner saga ouais. sur les trois où t'as tellement ce truc de fuite en avant euh, tu te retrouves comme les personnages en fait ouais. t'as pas le temps de réfléchir t'as pas le temps de te retourner en disant ah j'ai peut-être loupé un item à, un, à, à, à gauche tu te dis juste, bah en fait, j'ai pas de choix, genre je dois avancer. Et, et, et à la fin, j'avais ce truc où je pensais même plus à, au fait de me dire, oh non, mais de toute façon, si je meurs, j'ai je, je oui. euh, un game over et je, je peux continuer, tu oui. vois. J'étais vraiment dans ce truc où je m'inquiétais pour mes personnages et, et je, 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 je lisais chaque ligne en me disant putain j'espère qu'il n'y en a pas un qui est mort ou des mais trucs comme ça tu vois c'est intéressant ce que vous dites euh, alors déjà d'une part sur le point complétionniste à outrance ce qui est marrant c'est qu'en fait euh, on dit un peu au final qu'avec notre expérience on tombe plus dans des pièges euh, débiles de game design mais on se rend compte aussi qu'au final on a été un peu formaté par notre expérience et que du coup, bah, ouais. ce genre de piège, on tombe dedans à, 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 à bras le corps parce que bah, es... on est un peu formaté comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez, assez drôle. Mais ce que, ce que vous relevez aussi chacun de votre côté et que je trouve super intéressant, c'est euh, euh, l'enjeu de la difficulté dans euh, dans dans l'expérience quand tu es un joueur un peu plus aguerri. Ouais. Parce que souvent, je me suis dit en jouant à ouais. Tail, par exemple, pour encore le citer, euh, que si le jeu avait été en difficile. S'il m'avait mis un tout petit peu plus de contraintes, si par exemple il avait limité les matériaux présents sur le terrain, euh, ou s'il avait mis des points de contrôle un petit peu plus éloignés de temps en temps, et bien bah, du coup j'aurais été plus impliqué parce que les, mes actions auraient eu un poids en fait. Et toi t'évoques par exemple Banner Saga, euh, ouais. Guillaume, si, si je ne m'abuse, c'est un jeu où tes persos ils crèvent définitivement. Et donc à partir du moment où tu as un petit peu plus de, de risques. Euh, apprendre et bah forcément à ça la te... ça te ça te calme ça, direct, ça, ça te calme ou sinon au contraire ça peut te niquer l'immersion parce que par exemple moi quand j'ai joué à Fire Emblem et ben bah, je recommençais à chaque fois qu'il y a un perso qui mourrait donc là ça m'a tout niqué ah. mais euh, quand tu quand tu <laughs> rentres bien dans le truc euh, c'est vrai que la difficulté il y a beaucoup de gens qui euh, on a eu beaucoup de débats sur la difficulté dernièrement pour ce qui était de Sekiro pour ce qui était de machin machin mais euh, je suis vraiment d'avis que jouer à un jeu euh, avec un peu plus de difficulté Certes, t'en chies un peu plus, mais pour l'immersion, t'as plus euh, conséquences de tes actes. Et je pense que c'est, euh, ah, important. Ah, parce que c'est vrai que ce que tu dis, parce que Banner Saga 1 je l'ai fait en, en, en facile. ouais Bah, je supportais pas à la fin d'un combat d'avoir un perso, euh, un perso blessé, euh, qui était, euh, qui avait des malus pendant genre trois, jours de, de jeu. Ouais. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. Et au final, bah, je, 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 me, je me retrouvais à rouler sur le jeu. Et à prendre moins de plaisir. Ouais. À partir du 2, je me suis dit, bah vas-y, je vais le faire en normal. Je vais me forcer à, à accepter parfois le sort de certains de mes ouais. personnages, etc. Et, et c'est là où coup. ça devient vraiment haletant, tu vois. Ouais. Où t'as vraiment le sentiment de que le jeu essaye de te, de, de, de te faire ressentir. C'est que, en fait, t'as pas le temps. T'as pas le temps de pleurer tes morts. T'as pas le temps de trop te tourner. T'as pas le temps de revenir en arrière. C'est. T'as juste le temps d'avancer et de prier pour que tu vois une ville dans pas longtemps ouais. et pour acheter des, des, des ressources, tu vois. Ouais. Ouais, bah ouais, donc du coup, es, tu vis l'aventure avec eux. quoi. Ouais, voilà, c'est ouais, ça. Et ça. Le, 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 le scénario prend d'autant plus de, de, de puissance parce que, en fait, ce que les personnages vivent, tu le vis aussi au oui. travers de, du gameplay, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Je et c'est d'autant plus ce que j'aime, par exemple, dans, dans Last of Us c'est que ce côté. Euh, euh, survie, tu l'as aussi toi parce que t'es tout le temps un chien de matériaux, tu vois. C'est vrai que c'est bien joué. Je te vois sourire, voilà. Théophile. <laughs> que tu n'as okay. pas dans le Playtale. Puisqu'on te donne tous à les ingrédients avant. C'est à outrance. Mais c'est vrai que par exemple, je me suis dit, hein, un tout petit peu moins de matériaux où tu galères un peu plus, ça aurait été, ça aurait été sympa. Je sais pas si le mode hard, déjà s'il y en a un, ah, mais... je sais pas si. Euh... S'ils y ont pensé. Mais tu sais, là, là je suis en train de faire euh, Quantum Break. Euh, J'en ai pas énormément parlé, mais, mais euh, juste un truc là-dessus c'est que j'ai presque. En fait, tu as des choix dans le ouais. jeu, ok Et ça modifie la série et, oui, et tout. Vrai. Et comme j'ai envie de faire les choses un peu de manière carrée et encore une fois complétionniste, j'ai envie de recommencer le jeu. Et je pense que je vais le recommencer. Je ne l'ai pas fini, hein, mais j'ai envie de le refaire ah, pour voir motivé, les variations hein. et avoir une vision. Euh... T'es motivé, hein. Parce que les séries, euh, la série bas de gamme, il faut se la taper. Hein. C'est marrant parce que tous les gens avec qui j'ai parlé de Quantum Break... Personne n'avait euh, essayé de, de voir les, les variations. Et en fait, je me dis, euh, bah moi, j'ai envie de savoir à quel point ça varie est-ce que ça va m'impressionner ouais. ou au contraire me décevoir. Mais au moins, j'ai envie de me pencher là-dessus. Tu l'as déjà fait, ça, dans un jeu Moi, j'ai jamais fait Toujours ça. Toujours eu la flemme. Non, euh, si, je l'ai fait. Si, si, mais je saurais pas te dire lesquels. Mais pas dans, les, pas dans les David Cage, ah ouais. par contre. Puisque dans David Cage, il n'y a pas de gameplay. Donc, tu ouais, pas envie d'y revenir mais, y a tellement. Plein de trucs, mais Là, quand tu verrais que tu as quand même un gameplay. Mais, mais c'est ce que je me disais, par exemple, sur les, les, les testeurs, à chaque fois sur ce genre de jeu je me dis putain les pauvres ils doivent retaper ils doivent le ouais, finir ouais. une première fois et après ils doivent le retaper pour parler du truc et dire ah ouais en plus les choix euh, ça influe pas vraiment le jeu etc tu vois ouais voilà et là j'ai vraiment envie moi de, de refaire Quantum Break j'espère avoir l'envie en tout cas c'est ce que j'ai prévu de faire mais de le refaire en difficile pourquoi parce que justement j'ai l'impression qu'avec une grosse pression c'est ce dont oui. Ken parlait tout à l'heure une grosse pression euh, d'un risque de mourir beaucoup plus élevé je vais euh, essayer de mieux utiliser, mieux optimiser les, oui. les maps et mieux optimiser les pouvoirs. Et peut-être que c'est là que je vais tirer la, 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 la moelle essentielle, la, huile, les huiles essentielles du oui. jeu, la moelle épinière <laughs> du jeu, tu vois. Et c'est intéressant parce que finalement, tout le monde trouve que c'est Kiro, tout le monde trouve que Dark Souls, de, ce sont des jeux fantastiques au niveau... Du gameplay, etc. Et ben moi, je pense que c'est en partie lié au fait que, effectivement, oui, il y a une difficulté qui est relativement corsée de base, donc personne choix, et donc t'es obligé d'approfondir un gameplay. Oui, c'est vrai, parce que, enfin. Mm. T'es obligé d'approfondir le gameplay. Je me rappelle de Dark Souls, quand tu tapais la forteresse de Seine et que tu mourais au boss et que tu te retapais toute la forteresse de Seine, bah, quand t'arrivais au boss. Bon, après, c'est à double tranchant, parce que quand tu meurs sans arrêt, à un moment, tu sors du jeu aussi, tu vois. Mais. Euh, Surtout quand, quand tu au boss. Dans... De quoi Surtout quand le gameplay est flingué. <laughs> T'as un exemple en tête Bah, Dark Souls. Ah oui, mais bah c'est vrai que t'avais pas aimé Dark Souls. <laughs> <laughs> J'étais un perso tout raide, etc. C'était nul, putain. Non, non, mais voilà. Mais euh, c'est juste que peut-être qu'il y a une partie de la. De la... Désolé, hein, c'est pas poli, mais de la branlette autour des, des jeux de Hidetaka Miyazaki qui vient du fait que lui, dès le début, il te dit que ça sera dur ouais. comme ça. Et il y a, à mon avis, pas mal de jeux. S'ils faisaient la même chose, on les, oui, oui, on, on leur... les prendrait plus au sérieux. To praise, to praise. Ouais. Voilà, on, on les, comment tu dis, on les, on les comment, on les, putain. On les perds mon latin. On si on les encenserait un peu d'une la... et... façon équivalente à ce qu'on fait avec Idée Mais Taka. je suis tout à fait d'accord avec toi, Théo, parce que quand on parlait des, des succès, je pensais à ça et je me disais, il y a aussi dans cette collectionnite un truc de d'ego de, de, à la con. Où ah tu oui, bien, te dis sûr, genre, bien sûr, Ah ouais, attends, ouais. mais moi je veux le finir à 100% parce que je suis un bonhomme, je suis un gamer et je ne vais pas faire les jeux à moitié. Ouais. Et, et au final, et c'est vrai que ouais, ça, oui. ça flatte l'ego de certaines personnes, ce genre de jeu, parce qu'ils se disent Ouais, moi je l'ai fini, je suis un bonhomme, euh, ces jeux c'est trop bien parce que ça me permet de, 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 me, de me branler tranquillement euh, <laughs> sur moi-même. On s'éloigne un petit peu du sujet, les amis. Ah, c'est clair. Euh, je voulais tout à l'heure, pour finir, Guillaume, tu avais fait un parallèle avec euh, Apocalypse Now. Euh, justement, c'était un parallèle que je voulais faire vite fait avec vous parce que bah, vous travaillez un peu dans, dans la vidéo l'un comme l'autre. Et euh, c'est, ouais. par exemple, moi aujourd'hui, là, euh, très souvent, à Sœur, de, fin, les gars parlent de, des films qu'ils ont vus. Et. Euh, c'est pas que je me sens un peu con, mais je les consomme pas du tout de la ah, même façon que ouais. c'est-à-dire que par exemple, ils vont mmh. être là à dire ouais, la réalisation, machin et tout, à tel moment, tel plan, tel dialogue. En fait, ils intellectualisent énormément le cinéma. Et moi, pas du tout. Moi, quand je vais au ciné là, ouais. je suis parti voir le Joker. Quand je ressors du film, tu me demandes t'en as pensé quoi. Je vais te dire, oh bah j'ai passé un bon moment. Ou enfin, euh, je vais pas aller beaucoup plus loin. tu vois ce que je veux dire, c'est que je, je vais pas ouais, intellectualiser bon. tout ce Mais que ouais. je vois et je vais rester vraiment à la première couche. Et je voulais savoir si vous, qui du coup, parce que j'avais posé la question au frère de Théo et euh, à, à Désir qui est un de ses anciens collègues, Dizer. et tous les deux m'avaient répondu ouais. Enfin, forcément, euh, aujourd'hui, euh, au-delà du fait. Que je sors un petit peu d'un jeu vidéo quand j'y joue maintenant parce que eux travaillent dans le jeu vidéo vraiment euh, eux ils voient les heures de travail derrière, euh, derrière les, les, les jeux auxquels ils jouent ah et oui. je trouve ça super intéressant est ce que c'est pareil pour vous du coup qui êtes beaucoup plus cinéphile que moi et qui en plus euh, avait l'occasion de travailler avec une caméra ah, tu vois plus les erreurs ah, écoute ouais, moi je t'avoue que oui je, je décortique tous euh, mmh. les focales, les valeurs de plan ouais. évidemment euh, et, euh, et c'est comme ça que je prends du plaisir ouais, pareil. plutôt qu'en m'immergeant totalement. Mais j'aime bien, c'est marrant que tu en parles parce que récemment je suis allé voir le long métrage de. J'ai un pote, euh, Yanis Arbele, qui a sorti son long métrage, enfin son deuxième long métrage là en Lettonie. Ça s'appelle Yelgava euh, 1984, 1994. Donc. Ouais. Et justement, en visionnant le film, c'est quoi la traduction Yalgava, c'est une ville de ah, Lettonie, okay. et 1994, c'est oh, la date, c'est tiré du bouquin éponyme. C'est juste un truc un peu autobiographique d'un gars en... qui était Ariel gavan en 1994. Et du coup, évidemment, comme je voulais réagir, euh, je voulais en parler, je voulais être capable de parler du film à mon pote. Au début, quand je le, quand j'ai commencé à le regarder, je me disais Ah, ok, là, il a fait un plan séquence. D'ailleurs, c'est marrant Ken, parce que dans ton exemple, tu parlais des plans séquences, je crois, la dernière fois. Euh, oui, c'est vrai. Le par exemple, plan séquence, c'est vrai. C'est un truc que je vois jamais. Et son film, à lui, commence justement par un plan séquence. Donc c'est marrant. Et je me suis dit Putain, ils ont fait un plan séquence. Bon, c'est le truc un peu classique de nos de faire un plan séquence ouais. au début d'un film ouais. ou au début d'un clip tout le monde trouve ça cool mais euh, et puis au bout d'un moment de fil en aiguille euh, le, le film il commence à instaurer son ambiance en représentant un truc assez naturaliste de, de la lettonie et tout et au bout d'un moment je me suis complètement déconnecté et j'ai plus du tout vu tout ouais. cet euh, enrobage technique si tu veux et j'étais juste dans l'histoire ouais. en immersion total en profitant évidemment inconsciemment des qualités de la réalisation mais juste en kiffant et je pense que c'est à ça c'est vers ça qu'on devrait tendre et vers ça vers quoi on devrait revenir un peu même avec le jeu vidéo enfin être juste capable de kiffer en fait l'expérience mmh. sans trop se poser de questions euh, techniques quoi. Ouais mais c'est pas évident non, c'est pas évident, ça c'est clair et net. Ouais, c'est pas évident du tout. Ouais. Guillaume, toi, euh, par rapport au cinéma, du coup, c'est un peu pareil. Euh, bah, c'est marrant parce que tu parles de Joker et, et je, je voulais le citer en exemple parce que hier, on était allé le voir, du coup, avec euh, Alexandre, mon frère, et d'autres collègues. Ouais. Et en fait, Alex disait un truc très juste. Il disait, pour moi, c'est comme Nolan, c'est le genre de film où, si, as, si tu ne connais pas euh, les, les influences et les références ouais. bah c'est très ça peut être très agréable parce qu'au final c'est quelque chose que as, tu penses ne jamais avoir vu tu vois ouais. et quand tu les vois les références bah, tu te dis ah oh, putain c'est chiant genre ouais. le mec qui peut pas avoir une personnalité etc et donc du coup je pense que moi je le vois moins comme comme Théo je pense que lui il a quand même beaucoup plus de bagages euh, comment dire technique que moi moi je, oui. je, je, au final, euh, je suis plutôt. Enfin, euh, je viens pas de ce monde-là, donc oui. j'ai pas fait d'études euh, réellement euh, de, de, de cinéma, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que d'un point de vue euh, narration, je suis souvent en train de décortiquer les films, etc. De, de, de me dire, ouais. ah, attends, mais là, qu'est-ce qu'il essaye de me dire que, euh, Comment il essaye de me le dire Enfin, tu vois. Et... Mais c'est pas chiant Non <laughs> mais c'est vrai que souvent ma soeur elle me pose la elle me... façon so d'apprécier en fait les gens souvent à, à, quand on est au bureau on, les, on parle tous avec mes frères on parle de cinéma et on, on en parle comme là nous on parle de jeux vidéo ouais. et donc du coup les gens ils sont là mais vous ouais. faites pas chier quand vous regardez ouais, les films ouais. parce que ouais, moi je regarde un truc je dis juste ça oh, bah, c'était bien ou c'était pas bien tu vois ouais, mais, mais du coup t'as et... as raison ouais. de dire qu'au final ouais, c'est vrai que mine de rien on s'amuse encore Ouais, Même bah pour oui. jeu vidéo, ouais. <laughs> Non, mais honnêtement! C'est ouais. une façon d'apprécier en fait. C'est comme un œnologue qui va boire du vin, tu vois. Je dis pas que nous sommes les œnologues du oui, jeu vidéo. Je n'ai pas cette prétention. Si... <laughs> je n'ai pas cette prétention. Nous sommes de sommeliers, tout fait plus, de braves sommeliers. Mais euh, en fait, un œnologue, je pense qu'il va kiffer ouais. boire du vin en l'analysant, tu vois. Je sais pas. Non, non, mais ouais, mais je suis d'accord avec je sais toi. Je ne ce ouais. que ça vaut cette comparaison. Non, non, mais tu <laughs> vois, je vois mon père qui est passionné de mécanique et de bagnole bah il va quand même prendre son pied devant un truc qui est peut-être un peu moins euh, perfectionné que ce qu'il a l'habitude de voir tu vois et c'est ça je pense que ouais. c'est aussi ça le fait de la passion c'est que tu ouais. aussi à tu vois je dis pas je dis pas un chef misslin il va kiffer bouffer un macdo mais oui. il y a des il y a, à mon avis ça doit exister tu vois oui ouais donc au final tu consommes différemment il euh, y a peu de chances que tu reviennes à la, la première façon de consommer, donc quand t'étais un peu plus innocent, mais c'est un autre plaisir quoi. Ouais. Voilà. Et puis je pense que comme dans tous ces trucs-là, t'as aussi la Madeleine de Proust, oui. qui à un moment. Tu vois, je pense que... Voilà. Euh, vous parliez de Street of Rage, mais je pense que ça doit être pareil pour Sonic. C'est des jeux où t'analyses pas plus que ça. Moi, honnêtement, quand je joue à Super Mario World oui... Moi, j'analyse pas, pas le level design, hein. ouais, je dis juste, ah putain, c'est cool, ça répond bien, ça joue bien. Et t'y joues pas euh, comme t'y joues un... Euh, comme je jouerais bah, à n'importe quel autre jeu où je vais plus analyser le truc, ouais. etc. C'est peut-être aussi pour ça que la nostalgie a aussi euh, à autant le vent A des bons hein. côtés. que, ouais, voilà. ouais. que les, on essaye de rattraper les joueurs avec des expériences un peu un peu passéistes, entre guillemets et je pense que ça. Mmh. Et ça ouais, un peu plus euh, un peu plus simple entre guillemets. Oui. Les bonnes choses. Et la conclusion, ça serait peut-être aussi de dire que si de nos jours, à notre âge, avec notre bagage, notre expérience, un jeu arrive à nous faire revivre oui. euh, ce, ce genre d'expérience qu'on avait étant plus jeune, moins expérimenté, c'est vraiment qu'il a réussi son pari, de nous Exactement. immerger à 100%. Et on parlait de, de Mario Odyssey, et il euh, y en a sûrement d'autres. Euh, c'est possible, oui, c'est vrai. Mais c'est un gage de qualité, ouais, clairement. Les amis. C'était un... Alors vraiment, je tiens à, je tiens à le souligner, c'était un délicieux podcast. J'ai passé un excellent moment. Euh... <laughs> Très souvent, je finis le podcast en me disant, ah, à ce moment-là, on a un peu été à chier tu vois. Genre, euh... oh, j'aimerais bien que Théo il coupe ça au montage. <laughs> ouais. On aurait pu, on aurait pu préparer un peu plus. Voilà. Et un... On aurait pu préparer machin <laughs> et tout, tu vois. Mais bon, c'est pas pour me lancer des roses ni à moi ni à vous, euh, ni... en général ni à nous, quoi. Mais euh, je... je trouve que je trouve que ce podcast était particulièrement cool. Euh, J'espère que ça en sera de même du coup pour les gens qui, qui l'écouteront. Euh, bah écoutez, de coup, c'est inutile de le dire encore une fois, mais c'était un plaisir les gars d'enregistrer de, ce podcast voilà, avec vous. Pareil. Euh, le mois prochain va être extrêmement chargé parce oh, qu'on va avoir oui, ça va être chaud ça va être, si on tourne, ouais, ça si va être on, violent ouais si on tourne en fin du mois on va avoir euh, alors Luigi's Mansion 3 en vite fait comme ça on va avoir du coup bon Monkey Ball mais ça ce sera un détail euh, Death Stranding et Shenmue 3 qui vont arriver et Star, aussi, hein. et Star Wars parce aussi et Star Wars aussi parce que moi je compte vont. le faire le Star Wars voilà donc tout ça ça va arriver d'ici le prochain enregistrement donc ça va être vraiment coton là les deux heures ça va être Aye. compliqué <laughs> bah, mais je pense que déjà ouais, il faudra faire un, un troll cash sur Death Stranding. Ouais, il y a un moyen. Ouais, vrai exclusif. Que ça mériterait. Ouais, j'avoue, j'avoue. Non, t'as raison. raison. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les amis, avant qu'on s'en aille Non, mais plaisir partagé. Ouais. Plaisir partagé. bah c'est super. C'est <laughs> encore meilleur quand le plaisir est partagé. <laughs> voilà, les amis. Eh bah écoutez, on se, retrouve, euh, on se retrouve bientôt pour un 27e podcast de Mero euh, D'ici yep. là, euh, portez-vous bien et n'oubliez pas de nous suivre euh, si jamais vous nous écoutez en audio euh, sur YouTube, euh, Twitter euh, et pourquoi pas Facebook, mais vous n'êtes pas obligé. Et euh, <laughs> si vous nous regardez en vidéo, euh, n'hésitez pas à aller euh, checker les contenus audio, euh, entre autres, du coup, les podcasts qui, euh, qui sont uniquement en audio et qui valent vraiment le détour. Euh, je tiens à te le dire, Théo, l'épisode sur Metal Gear Solid Twin Snake, il était, euh, il était ouais, génial. Ouais. J'ai vraiment apprécié. Ah ouais, ah, ouais Non, vraiment, Donc, voilà. tous les, tous, à chaque fois. Il y a un vrai travail de montage, etc. Ouais, c et, et, et ça se, c'est seamless et pourtant tu sens <laughs> dans le rythme qu'il y a un truc qui est, qui est réussi. Quoi. Et c'est ça qui est ouf. Et c'est pas pour euh, pour prêcher pour euh, pour euh, notre, <laughs> je sais plus comment on dit, notre crémerie, je peux comment... Bref, ouais, euh, pour euh, notre paroisse, par merci. <laughs> c'est pas pour prêcher pour notre paroisse, mais c'est vrai que j'ai jamais écouté un podcast qui était aussi bien monté que les Trollcasts. <laughs> <Donc>, euh, <laughs> franchement, euh, chapeau, euh, chapeau Théo. Ouais. Bon. Merci beaucoup, ça me touche les amis. Merci. <laughs> non c'est vrai, ça fait plaisir. Ça fait plaisir mes potes. Un vrai tiers hardisson du podcast. Il <laughs> s'est monté. Bon après cette petite euh, séance de, de, de nanisme mutuel, on, on va se laisser. <laughs> et bah, du coup, bah, on se retrouve sûrement le mois prochain hein, pour le prochain podcast de Muro Gazou. Euh, yep. Voilà, on vous fait plein de bisous et du coup, bah, à très vite. Salut Bisous, ciao ciao. Ciao. J'ai pas fait le coucou à la bonne caméra. Coucou ouais, à, à chaque la fois caméra. je me disais que je regardais pas cette bonne oui. cette caméra. Dreamless dawn, ticking clock, I walk away from the soundless room. Wayless night, moonlight melts. my ghostly shadow to the loop, wow, gloom. Chain me to chase the Burn my breath. I will break the chain and run till I see sunlight again I leave my face and run through the sunlight <laughs>